Ou de lâcher un simple coup de gueule, c'est le moment de vous exprimer avec Droit Citoyen. C'est quartier général, c'est quartier général. Prenez la parole sans plus attendre et composez le 09 72 262 462. Allez, respirez et décompressez. Composez le 09 72 262 462 et déposez votre message dès maintenant sur le répondeur qui redonne la parole aux citoyens. Une émission animée par Vincent Bach. Retrouvez toutes nos actus sur notre page Facebook droitcitoyen.info. Et bienjour, bienvenue à tous et à toutes. Nous sommes en direct, nous sommes aujourd'hui le samedi 11 avril, il est 21h01. Pour une fois qu'on est à l'heure, c'est très très bien. Nous sommes en direct sur Droit Citoyen, le média libre et citoyen. Bienvenue à tous et à toutes. L'émission Quartier Général, spéciale coronavirus, la 10e édition aujourd'hui. Et pour co-animer cette émission avec moi, on a nos intervenants du quotidien, parce que vous n'êtes pas nouveau. Non, on n'est pas nouveau. Vous n'êtes pas nouveau. Non, on dit bonjour quand même, Nicolas. Ouais. Linda, bonsoir. Bonsoir, donc Linda donc à ma droite, c'est forcément, et Nicolas à ma gauche. Donc on surveille en même temps que tout se passe bien sur le Facebook Live, c'est pour ça qu'on meuble un petit peu. On essaye de faire multifonction. Voilà, donc ce soir le thème de l'émission justement, c'est une dictature en marche, donc c'est pas pour rien. Non, c'est pas pour rien. Le sous-titre qu'on a mis dans le panneau annonce, c'est « Contre la stratégie du choc ». En fait, on va d'abord présenter la stratégie du choc, on va s'aider pour ça d'une vidéo... qui a été produite par Décoder l'écho, et on a la chance de pouvoir ensuite en discuter avec Pierre qui a produit cette vidéo. Donc on va vous la montrer incessamment sous peu. Et alors, surtout, elle est très très bien parce que simple à comprendre, très didactique aussi. Voilà. Et ce qui est bien, c'est justement, c'est que pour une fois, on n'a pas quelqu'un qui se cache. Donc voilà. Donc là, il faut le dire parce que bien souvent, on dit que il y a des vidéos qui sont un peu complotistes. Là, on a quelqu'un justement qui montre son visage et qui explique clairement de quoi on parle. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est contre la stratégie du choc. Oui, et puis c'est comme tu dis, c'est pas du tout, c'est pas un complot, c'est issu de la stratégie du choc. C'est un livre de Naomi Klein, qui est une journaliste canadienne reconnue. Il y a un film qui en a été tiré. Et effectivement, ça peut avoir l'air, on trouve des liens avec un certain nombre de théories du complot, sauf que c'est un travail journalistique reconnu. Il y a quelques néolibéraux, il en parle dans la vidéo, d'ailleurs on ne va pas dévoiler ce qui est dit, il y a quelques personnes qui essayent de discréditer en traitant ça de complotisme. Mais ce qui est important, c'est d'expliquer aussi ce que c'est, on l'explique un peu peut-être en détail, mais on l'a déjà fait une fois, une précédente émission, c'est le néolibéralisme. Oui. Voilà. Et on y reviendra justement après, parce que c'est quelque chose qui est très important, parce que moi aussi ça me paraît... En tout cas, moi j'ai regardé la vidéo, comme je l'ai dit la dernière fois, j'ai pas voulu me recoucher sans regarder un truc super sympa, parce que là franchement ça donne matière à réfléchir. Donc on va regarder la vidéo qu'on a repris de Pierre et qu'on aura tout à l'heure en ligne et qui va nous apporter plein d'explications. Donc comme on est en équipe réduite aujourd'hui, il y a Nicolas qui va se lever, qui va s'occuper de la régie vidéo et qui va lancer la vidéo. Puis nous, on va se retrouver juste après, d'ici 9 minutes. Alors n'hésitez pas à partager la vidéo, bien entendu, à commenter. Et on revient d'ici à 9 minutes pour avoir plus d'explications sur le contenu. À tout à l'heure. La France est aujourd'hui sous confinement total pour protéger les Français du coronavirus. Ce choix de confinement est la stratégie mise en place par le gouvernement pour limiter la propagation de ce virus. Il s'agit d'éviter de surcharger les hôpitaux pour éviter de se retrouver dans un scénario à l'italienne avec des milliers de gens qui meurent, surtout parce qu'il n'y a pas assez de place. En Corée du Sud, la stratégie a été très différente. Ils dépistent tout le monde, isolent les malades et les soignent dans des centres dédiés pour ne pas contaminer plus de personnes. La Corée du Sud n'a jamais été mise en quarantaine et ils ont
finalement très peu de morts avec leur méthode. Le confinement est une privation quasi totale de liberté. Aujourd'hui, le Parlement a donné tout pouvoir au président pour lui permettre de faire passer toutes les lois qu'il jugera bonnes pour l'économie par ordonnance. Pendant que nous sommes privés de la liberté de nous opposer, le président a annoncé que beaucoup de choses allaient changer. Le changement que nous devons craindre est celui décrit par Naomi Klein dans son livre La stratégie du choc. On verra dans cette vidéo ce qu'est la stratégie du choc, quelques endroits où elle a été vécue, ce qu'on peut craindre en France aujourd'hui et ce qui est déjà en train de se passer avec la loi urgence coronavirus. L'épidémie de coronavirus et le confinement que nous vivons aujourd'hui est ce que Naomi Klein appelle un choc. Son célèbre livre « La stratégie du choc » explique comment des extrémistes de l'idéologie libérale prennent le pouvoir en cas de choc. Ils s'en servent pour imposer leur idéologie par la manière forte. L'idéologie néolibérale prône la fin de toutes les prestations sociales, la privatisation de tous les services publics et la fin des services publics gratuits. Donc la fin des systèmes de redistribution, la fin de la sécurité sociale, la fin des retraites ou la fin de l'assurance chômage. Partout où elle a été mise en place, elle a généré les mêmes effets. D'un côté, une très forte pauvreté pour toute la population qui n'a pas de capital et doit travailler au service des riches pour survivre. De l'autre côté, une très grande richesse pour ceux qui possèdent les terres ou les usines et qui ne sont plus obligés de partager avec les autres. Bref, tout pour quelques-uns et rien pour tous les autres, c'est ce que produit le marché et l'économie néolibérale. Cependant, on a pu le voir cette année avec la réforme des retraites, les gens ne se laissent pas faire quand on leur supprime leurs acquis sociaux. La seule manière d'y arriver, c'est de réprimer fermement toute contestation. Le coup d'état militaire de Pinochet a été le choc qui a permis de mettre en place cette dictature néolibérale au Chili. Elle a créé une extrême pauvreté pour tous les travailleurs et rendu très riches tous les grands propriétaires. Toute la contestation des syndicats et des opposants a été réprimée dans le sang. En Indonésie, même scénario avec Soeharto. La chute du bloc soviétique a permis aux oligarques de prendre le pouvoir en Russie et de s'accaparer toutes les entreprises publiques. En Pologne, la politique néolibérale menée par Lech Walesa a été une complète catastrophe. Cette politique a prouver qu'on pouvait faire pire que le communisme. La Pologne s'en est d'ailleurs toujours parmise. La fin de l'apartheid en Afrique du Sud s'est faite sous condition du néolibéralisme. Elle a laissé les blancs propriétaires de toutes les richesses du pays et les noirs continuer de crever de faim dans les bidonvilles. L'ouragan Katrina ou le tsunami 2004 ont aussi été des chocs. Ils ont été l'occasion sur les territoires les ayant subis de mettre en pratique cette théorie néolibérale et de créer des nouveaux îlots d'ultra-riches au milieu d'océans de pauvreté. La période Thatcher au Royaume-Uni a aussi été très violente et aujourd'hui les Anglais sont en train de faire machine arrière. N'oublions pas que Thatcher est un exemple pour notre président. J'oublie beaucoup d'exemples du livre de Naomi Klein, mais le résultat était le même partout. La privatisation de tout ce qui existait comme service public et la fin de toutes les politiques de redistribution. La conséquence a été la création de deux castes ennemies. Les riches dans les villes qui ont tout et les pauvres dans les bidonvilles et les campagnes qui n'ont plus rien. Tous ces changements ne peuvent avoir lieu qu'en privant les citoyens de s'y opposer. Soit par la force, soit parce que la situation est déjà catastrophique. Si vous n'avez pas lu la stratégie du choc de Naomi Klein et que vous faites des recherches sur internet, vous allez tomber d'un côté sur des fans du livre et de l'autre sur des personnes qui essayent de la discréditer. Les personnes qui ont mené une campagne contre Naomi Klein sont des défenseurs du néolibéralisme. Ils combattent donc un livre qui nuit à leurs valeurs. Ces personnes n'ont pas d'arguments qui contredisent les résultats donnés par Naomi Klein sur la politique néolibérale, que ce soit en Pologne, en Russie, au Royaume-Uni ou ailleurs. Ils essayent juste de discréditer Naomi Klein en la traitant de complotiste, c'est leur seul argument. Tout le monde admet que l'application des théories néolibérales, la privatisation, la casse des services publics, la casse de la redistribution, la casse des acquis sociaux ou l'austérité amène énormément de pauvreté. Il suffit de regarder ce qui s'est passé en Grèce pour le constater. Le but des néolibéraux n'est pas de relancer l'économie, mais d'en prendre le contrôle. Ils se servent des crises pour donner toujours les mêmes arguments. Il faut faire des efforts ou il faut protéger l'économie. Mais toujours uniquement dans le but de faire passer des réformes pour permettre aux acteurs privés de prendre le contrôle de l'économie. Les néolibéraux pensent que ceux qui détiennent le capital, les plus riches d'entre nous, sont les plus aptes à diriger. Ils pensent qu'ils sont légitimes. Profiter des chocs est leur moyen d'action pour atteindre ce but. «
Nous vivons actuellement un choc. L'État français nous prive aujourd'hui de nos libertés pour notre bien. Nous l'acceptons et sommes actuellement sans aucun contre-pouvoir citoyen. Le Parlement vient de donner tout pouvoir au gouvernement pour qu'il puisse faire passer toutes les lois qu'il jugera bonnes pour l'économie par ordonnance. L'excuse est la situation de crise. Nous ne sommes donc plus du tout en démocratie puisque le gouvernement écrira lui-même les lois qu'il exécutera. Jusqu'ici, il devait quand même convaincre le Parlement, maintenant c'est terminé. Le président, vendredi soir, a dit « Beaucoup de certitudes, de convictions seront balayées ». De quoi parlait-il ? Nous risquons de le voir dans les prochains jours sans avoir notre mot à dire. Il y a deux stratégies possibles après un choc. La stratégie de relance économique ou l'austérité. La politique de relance économique, c'est ce qui a été fait après la Deuxième Guerre mondiale et ce qui a donné les meilleures années économiques de l'Occident. Il y a eu dans le même temps beaucoup d'argent injecté dans l'économie pour la relance. Mais aussi beaucoup de mécanismes mis en place pour que cet argent ne reste pas dans la poche de quelques-uns mais circule dans toute la population. On peut citer la sécurité sociale ou la retraite par répartition. On sait que ça marche et que c'est profitable au plus grand nombre, par contre ça ne permet pas à quelques acteurs privés de prendre le contrôle de l'économie. L'autre stratégie, c'est l'austérité. Dans tous les endroits où l'austérité a été mise en place, que ce soit en Pologne, en Grèce ou dans les pays d'Amérique du Sud, le résultat a été le même. Ça n'a pas sauvé du tout les petites entreprises, ça a créé énormément de pauvreté et ça a fait exploser la dette. Mais ça a permis à quelques acteurs privés de prendre le contrôle des terres, des entreprises et des services publics. Le but de l'austérité et de l'idéologie néolibérale, c'est bien de donner le contrôle à quelques acteurs privés au détriment de tous les citoyens. Tous les ingrédients sont actuellement réunis en France pour mettre en place la stratégie du choc. Il ne reste qu'à espérer que la théorie de Naomi Klein ne s'appliquera pas en France. On peut cependant déjà voir ce vendredi que la loi proposée par le Premier ministre par ordonnance s'attaquera directement au code du travail. Elle commencera par diminuer les droits au congé et augmenter la durée du travail. Le gouvernement dit que c'est provisoire mais ne donne aucune date de fin. Le président a aussi parlé de nationalisation d'entreprises. Ce qu'il risque de se passer, c'est que l'État rachète les actions des grands actionnaires français. En faisant ça, il garantit à ses actionnaires de récupérer leur fortune. Ce sont les citoyens qui ensuite devront payer la facture. En France, on ne sait pas fournir des masques aux hôpitaux ou des tests pour coronavirus parce que le gouvernement a laissé faire le marché et épuiser les stocks. En France, les places dans les hôpitaux ont été largement diminuées pour faire des économies et les EHPAD sont actuellement surchargés. Par contre, en France, on sait diminuer les droits au congé, augmenter la durée du temps de travail, diminuer les droits au chômage et garantir l'argent des actionnaires. La stratégie du choc est en marche, les odeurs d'austérité commencent déjà à se faire sentir. De retour sur Droit Citoyen, nous sommes en direct ce soir, Quartier Général, l'édition numéro 10 spéciale coronavirus, avec ce soir donc Nicolas et Linda, et au téléphone justement l'auteur de la vidéo qu'on vient de voir sur une dictature en marche contre la stratégie du choc. Et le sous-titre, c'était « Le danger caché du coronavirus, la stratégie du choc ». Et nous avons Pierre avec nous en ligne. Bonsoir Pierre. Bonsoir Linda, bonsoir Nicolas, bonsoir Vincent. Bonsoir Pierre. Alors justement, on va pouvoir commenter un peu la vidéo maintenant, puisqu'on a l'auteur de la vidéo. Et donc, je vous laisse, tranquille. Eh bien, nous, on a quelques petites choses qu'on voudrait te présenter. Après, on a réfléchi à une contre-stratégie du choc, parce qu'on est un peu beaucoup gilets jaunes avec Linda, mais peut-être avant, on va essayer d'approfondir la stratégie du choc. Peut-être comment tu l'as découverte, toi, cette stratégie du choc ? Tu as lu le bouquin ou ça fait longtemps que tu connais ? Non, oui, c'est un bouquin que j'ai lu il y a quelques années et ça fait partie des bouquins, je pense, qui marquent définitivement et qui apportent une vision du monde qui est complètement nouvelle et qui permet de mettre dans l'ordre ou d'imbriquer comme il faut tout ce qu'on sait, tout ce qu'on a cru savoir ou lire ou apprendre à l'école sur ce qui s'est passé dans le monde. C'est 20-30 dernières années, et une fois qu'on a lu la stratégie du choc, ben voilà, on a structuré notre pensée là-dessus, et ce qui fait que quand des événements arrivent, comme le coronavirus et le confinement, et ensuite les promesses ou les propositions du gouvernement qui viennent derrière, ça se met en place dans notre tête, et on se dit, mais ce qu'on est en train de vivre, c'est probablement ce dont parle l'Américain dans son livre. Ouais. Et par rapport au complotisme,
Parce que c'est une des critiques qui lui est faite, en tout cas c'est une de celles que tu notes toi dans ta vidéo. Bon, moi j'ai pas de souci avec ça, ça me paraît pas du tout être complotiste, mais comment peut-être ça permet de s'en protéger sans le rejeter complètement, le complotisme, enfin je sais pas quel lien avec tu fais toi. Les arguments notamment de Johan Norberg, c'est de dire que Naomi Klein nous dit dans son livre qu'il y a une espèce de conspiration mondiale à faire de l'austérité partout et que cette conspiration déclenche des crises. Mais c'est pas du tout ce que dit Naomi Klein. Naomi Klein dit que les périodes de choc ou de crise sont les moments où des acteurs essayent de prendre le pouvoir de plusieurs sortes, et c'est notamment le moment où ceux qui veulent appliquer la stratégie du choc, c'est-à-dire l'austérité, la fin des services publics, etc., on en parlera tout à l'heure, interviennent. Donc on peut se prémunir de cet argument-là, ce n'est pas du tout ce que dit Naomi Klein. Par contre, on va relancer quand même les gens qui nous suivent sur Facebook Live, puisqu'on est en direct aussi ce soir sur YouTube. Ouais. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter la vidéo, à partager justement, et on va bien entendu lire vos messages. Oui, effectivement, on surveille, on essaye d'être multitâche, parce que Vincent, il est super multitâche, il fait l'animateur, le technicien et tout. Nous, on s'y essaye, mais on a un peu du mal des Oui, fois. moi je galère grave. C'est un job. Ouais. Ben, moi, une autre petite question, c'est, je suppose que du coup, tu as aussi vu le film de Winterbottom et White Cross lié à ça. Et La stratégie du comment. choc. Oui. C'est quoi ça? Moi, j'ai pas vu. Ben, le film. Ah oui, d'accord, si, c'est le Oui, film La stratégie du choc. Ah bah qui est si, fait par des ouais. Britanniques. Et que, moi, ce que j'ai trouvé hyper intéressant dans ta vidéo, c'est que, alors d'une, c'est d'avoir réactivé par rapport à la crise du Covid, mais aussi d'avoir activé par rapport à la France. Dans le sens où Winterbottom et White Cross, eux, ce sont des Britanniques, en fait. Moi, je croyais que c'était des Américains à la base. Une des raisons, d'ailleurs, je pense qu'ils ont aussi réactivé par rapport à leur propre pays. Mais comment toi, tu as pu tout de suite arriver à bah, faire le travail que tu as fait, en fait, tout simplement? Alors, disons que la stratégie ou la politique néolibérale, elle est très présente au sein des élites, voilà, et françaises. Et contrairement à une idée un peu répandue qui serait que le néolibéralisme serait imposé par des instances extérieures, et notamment les Européens, ce que je défends dans certaines vidéos avec pas mal d'arguments, c'est que la France est une terre de néolibéralisme. Oh oui. On a une élite très forte qui, depuis très longtemps, depuis le 19e siècle, penche vers cette façon de penser. Y met beaucoup de moyens, beaucoup d'énergie, et elle a été contrecarrée à plusieurs reprises de l'histoire, mais elle existe et elle est là. Et quand on a pu travailler aux côtés d'eux ou bien se pencher sur des travaux qui sont faits au niveau des hautes sphères de l'État, c'est très criard. On a quand même une élite de l'État et politique qui penche vraiment vers ces valeurs. Et ça fait longtemps que je m'en suis rendu compte. Et ça fait longtemps qu'on se dirige vers ce néolibéralisme. Petit à petit, le sens de l'histoire français, en tout cas, de faire évoluer les lois, c'est toujours d'aller dans ce sens-là. Ça s'est toujours fait petit à petit. Il se trouve que depuis 2017, cette élite s'est incarnée directement à la plus haute sphère de l'État, hein, par un président et un gouvernement qui a été très clair sur cette volonté néolibérale, et on a même écrit un bouquin qui s'appelle Révolution, hein, c'est pas pour rien d'ailleurs. Et donc fatalement, on s'y attend, si on féru du sujet, à ce que ça arrive. Ça a déjà commencé par petites touches. Le plus facile, on va dire, a été fait au début du quinquennat, et le plus dur était en train d'arriver. Ça a commencé par les transports, la réforme ferroviaire, mais il y a eu d'autres réformes avant qui sont arrivées, qui ont peut-être ont fait un peu moins de bruit, mais tout était dans le bon ordre pour aller vers ça. Et la réforme des retraites, c'était un peu le point charnière, puisque ça commence toujours par là. Et la politique austéritaire et ce qu'ils appellent des efforts, ou en tout cas les grands renouveaux, commencent toujours par là. Ça s'est vu en Allemagne, ça s'est vu dans les pays en Grèce. On commence toujours par taper sur les vieux ou les futurs vieux avant de casser le reste. Donc on était vraiment dans le chemin tout tracé.
pour faire, pour mener cette politique à bout. Et donc, c'est pour ça qu'avec les événements qui arrivaient et puis la tournure que prenait la suite et les décisions gouvernementales, fatalement, je pouvais faire un petit dans la tête de ceux qui ont lu le bouquin de Lucas. Non, mais en tout cas, c'est extrêmement pertinent d'avoir fait ça comme ça, parce que pour beaucoup de personnes, je pense que quand on voit le film, notamment, plus rapide que les livres à lire, on dira, c'est vrai que parfois, la France est loin, très très loin. Et même s'il y a Thatcher qui est cité, beaucoup plus proche de nous, mais il n'empêche que Thatcher, Macron, pour un certain nombre des gens, c'est quand même très très proche dans leur tête. Mais c'est pas pour ça que d'autres personnes vont faire le lien aussi en fait, directement. Ceux qui ont connu Thatcher. Oui, oui, ouais. Oui. Parce que moi, je me souviens que quand j'étais jeune, hein, puisque j'avais dans les années 80, donc je me souviens qu'il y avait pas mal de gens dans les rues de Londres. C'était guérilla urbaine. Il y avait beaucoup de révoltes, justement, des Anglais par rapport à cette politique dure, puisque c'était une dame de fer. Non, dur, et puis on le voyait. Enfin, moi, mes souvenirs, c'était de voir ça. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Mais comment on peut faire? Enfin, j'avais l'impression de voir les quartiers de Whitechapel de Dickens et compagnie, en fait. Vraiment, un siècle en arrière. Version un peu plus punk, certes, mais bon, c'était assez équivalent dans ma tête. Et de voir qu'aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui est réactivé en France et qui existe bel et bien en France, mais que l'on cache, parce que voilà, c'est sous notre nez, tout simplement. Et plus c'est sous notre nez, moins on le voit. Là, je trouve que c'est là où ta vidéo prend vraiment toute sa valeur. Il y a des trucs qui sont le forum. Je ne sais pas si tu connais les travaux de Barbara Stiegler sur les origines du néolibéralisme, un peu fondé sur ce Foucault sur le néolibéralisme et principalement l'ordo allemand. C'est là-dessus qu'il a bossé Foucault. Et apparemment, le cœur du néolibéralisme, pour elle, c'est Walter Lippmann et le colloque Lippmann. Le premier, après la crise de 1929, il s'est tenu en France avec des économistes français. Et donc le néolibéralisme, qui est la réaction après l'effondrement de la crise de 1929, c'est un journaliste américain, je crois, Lippmann, et des économistes français quand même. Donc comme tu dis, la France est quand même au centre de cette histoire, quoi. Oui, et remontons aussi à Hayek, qui est un des pères de cette pensée. L'école qu'il a fondée, c'était à Paris. Ah, je ne savais pas ça. Ah, ok. Donc, son école, ou son think tank. Ouais, ouais, ouais. Et oui, c'était à Paris. Mais on a une tradition, même en remontant avant, hein, si on remonte au physiocrate sous Louis XVI, j'en parle dans une de mes vidéos, pour ceux qui aiment l'histoire, hein, les physiocrates, à l'époque de Louis XVI, et donc c'est la pensée progressiste des bourgeois, qui ont convaincu Louis XVI qu'il fallait laisser libre le prix du grain. À l'époque, c'était le roi qui fixait le prix du grain, et donc ils ont convaincu que le bonheur des gens allait se faire si on allait arrêter... Si le roi arrêtait de fixer le prix du grain, ce qu'il a fini par faire, il était jeune, il avait 16 ans à l'époque quand il a signé l'édit de Turgot, donc ça a été fait. Évidemment, les physiocrates, c'est comme nous aujourd'hui les néolibéraux, hein, c'était des bourgeois, c'est-à-dire des gens qui étaient bourrés de fric. La première chose qu'ils ont fait quand le prix du grain était libre, c'est qu'ils ont spéculé, ils ont acheté tout le grain de la France et ils l'ont stocké dans des réserves et ils ont laissé les gens crever de faim. Ça a fait monter le prix du grain et ça les a enrichis. Et la révolte de 1789, où les gens ont crevé de faim, c'est à cause des physiocrates. Donc ce sont les libéraux qui, pour le bonheur des gens, ont libéralisé le prix du grain qui a fait que c'est Louis XVI qui s'est mis la tête. Oui, en fait, on en revient toujours à la même histoire, à la même répétition de l'histoire. C'est ça qui est assez navrant, en fait. Ça me fait penser d'ailleurs à une des tactiques de Naomi Klein qui dit, par rapport à Trump, à l'arrivée de Trump, pardon, mais qu'une des grandes choses, c'est quand même de bien connaître son histoire. Parce que là, on ne pourra pas dire « on ne savait pas encore une fois ». Et « know what's coming » avec la stratégie du choc. Ouais. Le titre de l'émission, c'est « Une dictature en marche ». Dans quelle mesure on peut dire que c'est une dictature? Parce que tu as expliqué un peu comment on pouvait... parce que ça a des relents très complotistes, et c'est facile, si on regarde de loin, de dire « Ah, c'est une stratégie du complot, oh là là, c'est des fous ». Ah bah, ça, tu l'as dit, c'est pas le cas pour Naomi Klein. Ouais. Pourtant, moi, je trouve que cette vidéo, justement, n'a rien de complotiste. Mais oui, bien sûr. Voilà, quand mais on le parle contenu, de Milton Friedman, voilà, c'est la base quand même du néolibéralisme, avec les Chicago Boys, etc. Ouais. On ne peut pas faire moins complotiste que ça. Non, c'est des faits, hein, c'est des faits historiques, mais il y a quelques... je ne sais pas, j'imagine, moi je ne vois pas ça comme un complot aussi, mais bon. Et ça, il y avait la question, mais le lien avec la dictature, est-ce qu'à ton sens, on peut le faire? Moi, je le fais très clairement, je pense que c'est une dictature économique. En fait, on est en guerre
depuis la fin des années 70, les accords de Bretton Woods 2, la désindexation des monnaies, du dollar, les cours flottants, comme si on était en guerre quelque part. La Ve République, c'est déjà pas démocratique. Et là, en fait, c'est même pas la fin de la démocratie, c'est la fin de la République, l'état d'urgence sanitaire, en fait. Le Conseil constitutionnel a lui-même déclaré qu'il se prononcerait pas sur cette loi d'urgence, puisque ça serait trop problématique. Alors, Donc il voilà. faut préciser justement aux gens que le gouvernement gouverne par ordonnance et ce n'est plus justement l'Assemblée nationale qui vote les lois avec le Sénat et que le gouvernement, ils font ce qu'ils veulent. Non, on avait fait une émission là-dessus, Voilà. ouais. Et ça, alors c'est problématique, non pas parce que c'est l'état d'urgence, simplement c'est que ça leur donne la porte à plein de choses. Et comme on l'a vu dans les vidéos, et c'est là où ça peut être inquiétant, puisqu'on a vu tout à l'heure des vidéos qui se passaient justement en Belgique. C'est que s'il y a plus d'état de droit, si on porte atteinte à nos libertés individuelles, puisque de fait on est comme si on est en semi-liberté, puisqu'on est on est confiné à la maison, donc ça fait on va voir déjà lundi ce que va dire Macron, mais ça la vidéo elle tombe au bon moment et on a l'impression que Macron arrive au bon moment. Donc Au bon moment, je vois pas ce que tu veux j'ai d'ailleurs au bon dire. moment, c'est que par rapport à la vidéo, c'est que là on se dit que il y a eu les retraites, il y a eu les gilets jaunes. On parle de néolibéralisme. Donc forcément, là on se dit, mais zut, qu'est-ce qui se passe en fait? Ah bah ça, c'est Il toute y a la beaucoup de stratégie choses, du choc, il y a ouais. beaucoup de choses qui nous échappent en tant que nous, en tant que citoyens. Est-ce que toi, tu vois comment ça Bah moi, c'est ce s'articule une que. fois que tu as vu la vidéo maintenant? Ça fait plus de sens pour toi ou pas? Bah moi, c'est quand j'ai vu la vidéo jeudi soir, je me dis, Ouais. oh là, ça craint. Ouais, tu m'as envoyé un message Ça sur craint. Facebook, ouais. Ça craint parce que on ne sait pas où est-ce qu'on va. Là, on sait pertinemment qu'il va y avoir un reculement du confinement pour fin mai. Toi, Serait ça ça. t'a plus fait flipper que ça ne t'a rassuré Ouais, ouais, finalement. ouais. Ok. Oui, bien sûr. Non, ça me. Alors, je suis rassuré dans le sens où on est quand même dans une république. J'ai confiance en nos institutions quand même. Ah oui, J'ai ouais, moi confiance aussi. quand même en la police. Simplement, j'ai pas confiance. Non, je n'ai pas confiance entre la stratégie du gouvernement. Je n'ai pas confiance au président Macron par rapport aux nombreux mensonges. Et la vidéo, justement, de la Française insoumise, plus jamais ça qu'on a vu aujourd'hui, on la repassera tout à l'heure. Peut-être en fin d'émission, mais j'ai pas eu le temps de la télécharger. C'est que on voit le comportement des ministres, on voit le comportement de certains journalistes qui font du macroniste et qui font pas du journaliste. Ils sont pas indépendants, ils sont pas neutres, Ça et fait ils même sont très dans très le longtemps. mensonge complet, quoi. Mais tout ça, ça fait système, si tu Ouais. veux. C'est ça que ça montre. Ouais. Et justement, alors j'ai noté quelques dates. C'est que déjà, moi, j'ai noté les propos de Olivier Véran qui dit dans un interview. Alors, je sais plus quand est-ce elle est là la date. Où il dit justement que, alors c'est le 21 mars, il dit qu'il y a 86 millions de masques stock d'État. Donc stock d'État, ça veut dire qu'il y a 86 millions, alors que c'est pas vrai. Après, il y a eu, bah forcément, il y a eu le préfet allemand qui a fait polémique. Il y a Yves Calvi, le 12 mars, qui revient sur la pleurnicherie permanente hospitalière, alors qu'on sait pertinemment que ça fait plus d'un an qu'il y a une crise aux urgences et dans la fonction hospitalière, mais apparemment, ce monsieur qui est journaliste, apparemment, lui, il s'en fout, hein, puisqu'il a, c'est normal. Et que, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, au Canada, alors oui, j'ai vu une autre vidéo. Là où ça m'inquiète vraiment, c'est par rapport aux stats. Aux stats, on est en train de faire peur aux gens en disant qu'il y a 13 000 morts. On a caché pendant un certain temps le nombre de morts qu'il y avait dans les EHPAD. Et moi, ce que je vois, c'est que j'ai vu une vidéo, un interview justement avec un journaliste de RT, qui dit qu'au Canada et aux USA, pardon, on inclut les morts qui ne sont pas forcément atteints du Covid-19, mais qui résident au sein d'un foyer d'une personne qui est décédée du Covid-19. Et en fait, il n'y a pas de prélèvement post-mortel sur les personnes qui seraient ou pas atteintes du Covid-19. Donc on inclut dans les stats des personnes qui ne sont pas forcément décédées du Covid-19, mais des personnes qui sont décédées du cancer avancé. Et autres maladies, pathologies pneumologiques qui atteignent aussi les voies respiratoires et non pas forcément en lien du Covid-19. Le Covid-19 peut s'insérer par la suite justement dans des failles de défense du système immunitaire. Et c'est là où moi j'ai peur, c'est justement la manipulation des chiffres. C'est qu'on essaie de nous faire peur de plus en plus. Donc là, aux États-Unis, on a avancé plus de 2 500 morts en 24 heures. On voit des images de fosses communes. Et en France, on Oui, nous dit. enfin, qui sont. Mais ça fait partie de Ouais, la stratégie du choc, ouais. c'est pas tout Et à c'est fait une pour ça fosse que nous, on commune. dit attention aux gens, arrêtez de regarder les chaînes en boucle. Parce que ce qu'il faut faire, c'est avoir du recul et bien analyser ce qu'on voit
à la télévision et aller regarder un peu justement au niveau statistique ce qui se fait aussi ailleurs. Et les Canadiens, ils sont bien pour ça parce que justement, c'est francophone la plupart des vidéos. Et on a des exemples. Et moi, quand je suis tombé sur cette vidéo, je suis content parce que là, je lui dis, mais c'est vrai que si on inclut dans les stats des personnes qui sont décédées, pas forcément du Covid-19, pour gonfler des stats, pour faire justement cette peur et pour donner justement au Oui, gouvernement Macron des possibilités de gouverner par ordonnance, là, je dis stop c'est parce déjà que le c'est une cas. manipulation. C'est déjà le cas, en fait. Parce que les personnes qui meurent, en fait, du Covid, soi-disant, enfin, Sachant qu'on pas ne prend pas en compte soi-disant, les personnes qui non, sont non. décédées à domicile. Oui, non, non, mais les personnes qui meurent à l'hôpital, il y en a qui meurent directement du Covid-19, mais n'empêche que la plupart des personnes âgées, c'est de comorbidité. C'est pas forcément Saint-Pierre, il a uniquement. fait une vidéo là-dessus, Ah, j'ai en vu. plus. Ouais, elle est pas mal, celle-là, c'est une de tes premières, Je je peux crois. donner un petit point de vue statistique. Ouais, vas-y, vas-y. Bon, alors en fait, d'un point de vue statistique, il y a personne qui compte pareil, de toute façon. Oui. Vous pouvez pas De toute manière, on le comparer. voit déjà avec les médias, parce qu'à chaque fois qu'ils diffusent des chiffres, c'est jamais les mêmes. Et nous, on arrête de diffuser. Moi, je l'ai fait deux fois. Après, j'ai arrêté avec le Non, droit mais citoyen, parce que les tout gens, à fait. ils comprennent pas, en fait. Y a un site sur lequel tous les citoyens peuvent aller. C'est le site Santé français, publique. Santé publique France. Chaque semaine, il y a un nouveau PDF qui donne les résultats de mortalité, le nombre de morts en France de la semaine, il y a 15 jours de retard à peu près. Ce sont des remontées qui sont faites depuis l'état civil français. C'est pas toujours parfait d'une semaine à l'autre, mais avec ce petit recul, ça donne quand même une idée. Et ça montre juste les morts qu'il y a cette année, et on peut faire la comparaison par rapport aux autres années à la même période. Les chiffres qui, par exemple, les On chiffres l'a qui déjà font un. évoqué justement avec Nicolas. Oui, moi j'avais vu Exactement. ça sur la vidéo du professeur Raoult et depuis je la surveille ce site Santé publique. C'est ça le truc, là où c'est pas complotiste, c'est qu'en fait il n'y a rien de caché. Tout ça c'est au grand jour, juste personne Il faut aller regarde, chercher les voilà, informations. il faut qu'on aille chercher. Exactement. Après, il faut pas aller regarder du coup à côté les informations des autres pays parce qu'on ne sait pas comment ils comptent et tout ça, c'est très politique. Mais comme toutes les décisions qui sont prises aujourd'hui sont prises beaucoup pour des raisons politiques plus que pour des raisons autres ou de chiffres. Mais bon, bref, ces chiffres-là, tout le monde peut aller les consulter. Et la seule chose qu'on va pouvoir mesurer avec un peu de recul, c'est la surmortalité qu'on a à cette période-là par rapport aux autres années. Cette surmortalité, on va pouvoir l'imputer en partie. Ce sera fait ensuite en discutant avec Santé publique France. Entre eux, ils auront des modèles qui sont faits avec les hôpitaux, avec des médecins, etc., pour savoir quelle est la partie qu'on imputera au Covid-19 et quelle est la partie qu'on imputera à d'autres choses. Parce qu'il y a d'autres choses qui vont se passer. Il y a moins de morts sur les routes, par exemple. Ça, c'est un fait où on en parle. Sauf que, bah, par exemple, pour les maladies cardiovasculaires, quand vous faites un arrêt cardiaque, vous êtes chez vous et qu'on est confiné, bah, normalement, la chose qui vous sauve d'habitude, c'est qu'on puisse prendre en charge extrêmement vite et qu'on puisse vous sauver. Avec le confinement, on n'en sait rien. Et il est possible qu'il y ait certaines situations comme ça où il va y avoir plus de mortalité en cette période de Covid-19 qui ne sera pas forcément à cause du Covid-19. Les médecins, ils appellent ça des pertes de chance. Ouais. Exactement. La probabilité qu'on vous sauve, bah, elle est plus faible. Il y a des gens qui vont moins mourir sur les Oui, chantiers, probablement, puisqu'il que est sur les évoqué routes. justement par rapport à la fréquentation des urgences, les gens qui sont déjà susceptibles d'avoir des AVC ou qui ont déjà eu des symptômes liés à des AVC ne se signalent plus aux urgences. Alors, le voisin de mes parents, il vient d'être hospitalisé et il a eu un AVC. Du coup, il dit qu'il est super bien traité. Parce qu'en fait, les hôpitaux ne sont pas tous saturés pareil, à part Paris et le Grand Est. Là, dans le quartier à Saint-Étienne, lui, en fait, ça arrange plutôt son business. Il a été bien pris en charge. Pour info sur Santé publique France, la seule chose qu'on peut voir actuellement sur le site, c'est qu'il y a bien une surmortalité, notamment dans le Haut-Rhin actuellement. On a Ouais. bien. Dans le On dernier a, bulletin, Paris aussi, là, ça fait un beau pic, hein. Ça fait ça fait un... un beau pic. Ouais. Dans le dernier du Haut-Rhin que j'ai vu, on atteint au-dessus de ce qu'on a normalement en période grippale. Ouais, Donc le plus largement, fort de la ouais. période grippale, on est au-dessus. Donc on se dit, il se passe quand même quelque chose actuellement. Donc il n'y a pas de. Cas sur Santé publique France qui sont les données publiques, il y a bien une vraie surmortalité avérée aujourd'hui, donc il n'y a pas question de. On peut de dire qu'il n'y a pas de mort en ce moment, il y a vraiment plus de morts que d'habitude, il y en a plus aujourd'hui exactement que en période grippale. Après, il faut aussi rajouter que, bon, il y a plein de paramètres autour, hein. On a eu une grippe, enfin, en tout cas une période hivernale qui a été extrêmement clémente cet hiver, ce qui veut dire que par rapport à d'autres années, on a une population fragile qui est encore vivante. En ce moment, le Covid-19, alors qu'à d'autres moments, peut-être qu'elle n'aurait pas chopé, Ouais, ça puisqu'en aurait fait, été c'est il serait mort de rien. la Hein. grippe avant, quoi.
Exactement. Donc, il y a énormément de paramètres en ligne de compte. Il n'y a que bien fin de crise, quand sera totalement terminé, qu'on pourra faire le compte total sur France entière, par exemple, si on a eu une mortalité vraiment plus forte que d'habitude. Pour l'instant, on n'en sait absolument rien. La seule chose qu'on est sûr, c'est que la mortalité qu'on attend d'habitude au mois de mars-avril, elle est plus forte par rapport aux autres années. Et normalement, on devrait être en période de creux et on se retrouve en période de pic de mortalité. Ça, on en est sûr. Oui. C'est quoi ce blanc là? Oui. Ça arrive. Hein. Alors, on est sur un plateau haut. Ça veut dire quoi exactement au niveau statistique? Sur les courbes, peut-être on en reparlera. Moi, j'en ai déjà parlé, mais je crois qu'il a bien expliqué, Pierre. Moi, j'avais envie de revenir sur les deux autres questions d'avant. Le lien avec, je ne sais pas si tu connais les travaux de Todd. Un petit peu, on en a parlé, il me semble, tout à l'heure au téléphone. Et sur les histoires des élites, Todd et son process de crétinisation des élites, c'est-à-dire dans quelle mesure les gens qu'on a en face, ils sont cyniques, dans quelle mesure ils sont incompétents, parce que déconnectés du réel, en fait. Et ça, c'est aussi un bon moyen de déconstruire le complot, peut-être avec les histoires d'hégémonie culturelle, un peu à la Gramsci, en fait, c'est-à-dire que ils complotent tous dans leur sens, mais comme il y a l'hégémonie culturelle au niveau néolibéral, qu'on est en pleine révolution néolibérale mondialement depuis 50 ans, ça s'aligne tout seul comme par magie. Et des fois, on a l'impression que c'est un complot. Oui, mais enfin, moi, j'aime pas trop le terme de complot, dans le sens où c'est plutôt une... et non plus, d'ailleurs, vraiment le terme hors réalité quand il s'agit des classes dirigeantes et de l'oligarchie, en fait, tout simplement. Parce que ces personnes, non, sont extrêmement conscientes de leur classe. Et comme le dit Deschalot Pinson... C'est des personnes très... Les pins sont charlots, pardon. Sont très conscientes et savent faire corps avec leur classe. Oui, oui, c'est ça. Contrairement aux autres classes sociales, d'ailleurs, eux, ils sont très, très doués pour faire ça. Donc, ce n'est pas du tout un complot. Eux, c'est leur survie et leur survie de milliardaires, de millionnaires, enfin, de gens très, très riches. Ah oui, non, mais non, c'est ce que je disais. Ils savent très, très bien ce qu'ils font. C'est une stratégie, oui, mais c'est certainement pas un complot de leur part. Non, mais il y a plein de petits complots qui s'alignent, ce que je te dis. Moi, je pense que c'est pas une stratégie, parce que si c'est une stratégie, c'est un complot. Non, mais c'est une façon ils ont de pas vivre besoin. Et de survivre. Ils n'ont pas besoin, parce qu'en fait, ils ont l'hégémonie culturelle. En fait, ils sont dominants. Et du coup, ça s'aligne tout seul. Leur stratégie, je suis pas sûr qu'ils la pensent dans des endroits où ils se disent « Ah, tiens, on va faire comme ça, on va bien les niquer, quoi. » Ah bah non, ouais. c'est les conséquences, ouais. Là, on va dire. Mais ils font des petits complots. Oui, la famille Muliez, ils s'arrangent pour gagner plein de pognon et hop. Oui, et tout, mais la stratégie, c'est la stratégie du mariage, en fait, tout simplement. Ah, ça aussi, oui. Voilà, oui. Et pour moi, du moment où on pense le mariage dans toute bonne société, c'est qu'à un moment donné, c'est pour garder et du pouvoir et son pécule. Mm-hmm. Et c'est en ça que je considère que c'est réellement une stratégie. Et les liens avec la dictature, peut-être. Alors, il faut juste préciser, parce que les gens, ils savent pas ce que... Qui est la famille Muliez? Ah, mais c'est le groupe Auchan, Oui, mais les gens, ils ne savent pas forcément. Oui, oui. Ouais. Mais peut-être, Pierre, sur tout ça, ce que ça t'inspire, et est-ce que tu fais un lien avec la dictature? Est-ce que tu parlerais, toi, de dictature ou pas? Alors, on peut en parler même depuis un moment. À mon sens, si on est dans une république, je ne parle même pas de démocratie, mais qu'on n'est pas en dictature, c'est qu'il y a une séparation des pouvoirs. Une séparation des pouvoirs entre le judiciaire, entre... législatif, exécutif, judiciaire, c'est Montesquieu. Ouais. Exactement. Et c'est ça qui fait qu'on est en République. C'est que les puissantes doivent pouvoir être jugées et que les personnes qui mettent en application les lois sont pas celles qui les écrivent. Depuis l'investiture de 2017, la stratégie qu'il y a eu derrière tout de suite, ça a été... lui est quelqu'un qui a une vraie visée. Hein. C'est le plan qu'il met en place, c'est structuré, c'est construit. Et c'est bien ce qu'il y a dans la stratégie du choc, c'est la vraie pensée néolibérale, c'est une guerre des idées. Il y a des vraies idées derrière, et c'est une vision de la liberté, que je ne partage pas, mais c'est une vision construite de la liberté. Et ce qu'il est en train de faire, il est en train de faire ce qu'il considère être comme bien. Ce n'est pas un complot des méchants dans les films, c'est l'expression du bien au sens de la liberté néolibérale. Enfin bref. Et ce qu'il a fait juste derrière son élection en 2017, ça a été de mettre... des gens inconnus bataillons partout en France, qui étaient sous une étiquette qui était vendue, avec énormément de publicité, avec ses copains qui ont fait de la pub en tête des journaux, etc. Et après la présidentielle, tout le monde a voté pour eux. Mais ce sont vraiment des gens qui n'ont absolument aucun vernis politique et qui sont pour beaucoup intéressés par la droite nombrile. Et ils ont gagné de façon écrasante les élections. Et donc, on s'est retrouvé avec, à la place... Oh, écrasante, comme tu y vas.
Oui, écrasante, oui, si on ne prend pas l'abstention, etc. Oui. Et ils sont majoritaires, et ce qui fait qu'à la majorité du Parlement qui est censé écrire les lois, on a une chambre d'enregistrement. Au Parlement, c'est écrasant, c'est vrai, t'as raison. Ouais. Et au Parlement, puisqu'en fait, on n'est pas en proportionnel, et que comme ils ont gagné sur chaque territoire, même si ce n'était pas grand-chose, ils se trouvent avec une majorité écrasante. Oui, c'est vrai. À partir du moment où, de toute façon, le législatif est devenu une chambre d'enregistrement de l'exécutif, on n'est plus en République de fait. Ce qui s'est passé, ce qui se passe donc, de base, on peut même parler de dictature, en tout cas de pas une dictature militaire, mais de dictature de l'exécutif depuis 2017, puisque c'est l'exécutif qui fait ses propres lois. C'est une dictature technocratique. Ça remonte à loin. Hein. J'avais vu, je t'arrête, excuse-moi. J'avais vu une conférence au Forum des archivistes à Saint-Étienne, parce que j'ai une copine qui est archiviste et qui m'y avait fait rentrer. Non pas qu'il fallait un laisser-passer, c'était public, mais il y avait un député, je ne saurais pas redire son nom, qui est celui qui a levé le lièvre du budget de l'Élysée, en fait. Et il disait en introduction. Le rôle du Parlement depuis longtemps, la loi c'est trop compliqué, c'est une chambre de vérification, c'est l'exécutif qui fait la loi parce que c'est trop complexe, le Parlement ne peut pas le faire, donc on vérifie les comptes, etc. Et moi ça m'avait choqué, c'est un mec qui est député depuis 20 piges et je lui avais fait cette remarque là, je lui avais fait cette remarque de lui dire mais à ce moment là c'est plus la démocratie, et ça l'avait pas travaillé plus que ça. Donc on peut même le faire remonter à plus loin quoi. C'est un peu triste, mais c'est bien. Normalement, l'histoire, c'est bien ça. Normalement, on élit nos députés pour qu'en fait, ce soit des élus locaux qui écrivent les lois et qui représentent le peuple partout où il est en France. Et être à l'écoute de leurs concitoyens également. Oui, mais je crois que ça, c'est une idée depuis la Ve République qui est quand même très, très frelatée. Peut-être aller jusqu'aux années 60-70, il y avait peut-être encore cette croyance, hein. Pour moi, c'est presque vraiment une croyance plus qu'autre chose. Après, ça dépend aussi des régions. Mais, il y a des régions quand même. Les villes, les campagnes, etc. Mais enfin, bon, depuis les années 80, on sait très bien quand même, il faut être sacrément naïf pour croire que nos députés servent réellement à faire remonter la parole du petit peuple, entre guillemets. Voilà, le gueux reste le gueux, le député restera le député. Et pour moi, oui, là, on est vraiment. C'est difficile de lutter contre une technocratie organisée. Oui. J'allais y venir, mais ce qui a été perdu, à mon sens, depuis les années 80, c'est la guerre des idées. Il n'y a pas de complot dans le sens où, c'est ce que disent un peu les pinsons parlent surtout quand même des ultra-riches, mais l'élite française, qui est des grandes écoles, etc., si on a fait de l'économie de l'université, on est bercé par le néolibéralisme. L'écrasante majorité des universités d'économie propose la microéconomie et c'est l'étude finalement des résultats des néolibéraux. Ah oui, oui, ça j'ai. Pas du tout plus légitime que les autres résultats puisqu'ils se basent sur des axiomes qui n'ont rien à voir avec la réalité. Hein. Les quatre axiomes qui permettent de faire du néolibéralisme n'ont absolument aucun pied dans la réalité. Et pourtant, on fait apprendre par cœur les résultats à tous les jeunes qui font de l'économie à l'université. Je l'ai subi. Mais juste tout ça pour dire que toute notre élite, l'ENA, etc., est biberonnée. Depuis 40 ans à cette idéologie. Et donc, ils sont juste convaincus. Et quand on est en technocratie, on n'a pas d'autre horizon que d'aller vers là, à moins d'avoir des voix qui se lèvent, mais qui sont ultra minoritaires, pour essayer de proposer autre chose. Et donc, de toute façon, toutes les propositions qui vont être faites aux députés, qui sont faites par des technocrates, vont forcément nous amener vers cette liberté libérale. Oui, c'est un petit peu navrant. Enfin, c'est marrant parce que oui, moi j'ai fait aussi des études de sciences éco et j'ai baigné aussi là-dedans et c'est ce qu'on m'a appris. Effectivement, de toute façon, c'est extrêmement difficile d'en sortir et même d'avoir, malgré quelques cours de sciences politiques, histoire de l'économie, c'est extrêmement difficile de sortir de cette méthodologie de pensée-là, ça c'est sûr. Oui, et puis il y a toute une ambiance. Si on veut un prix Nobel d'économie, ce qui n'est pas un vrai prix Nobel puisque c'est la Banque de Suède qui donne un prix ambiance. Etc. C'est la com. Mais c'est uniquement la théorie. Il faut faire de la théorie néolibérale si on veut être récompensé. Si on veut être reconnu par ses pairs en étant économiste, il faut faire du néolibéralisme. Les économistes qui essayent autre chose sont considérés comme des ploucs. Stiglitz, par exemple, Stiglitz, il est, moi je vois qu'il est un peu néolibéral, mais il est quand même un peu. Pas tant. Il a pourtant eu le prix Nobel. Tu vois ça, pourquoi? Stiglitz est
un néolibéral. C'est si, ouais, ok. Il ne remet pas en cause le fait que le bien des gens, c'est le fait de maximiser son pognon à chaque action qu'on fait. L'indicateur de développement humain, etc. Oui, c'est pas autre chose que de, c'est de l'ordo, presque de l'ordolibéralisme, c'est pas tout à fait. Mais c'est de rajouter un peu d'humain, mais sans remettre en cause le système, sans remettre en cause le système de pensée. Mais c'est presque c'est du suédois, quoi. C'est, on fait du libéralisme du chacun pour soi, mais on a une morale sous-jacente qui fait qu'on doit s'occuper un peu de notre prochain, mais surtout pas de loi. Oui, oui, oui. Non, mais c'est marrant quand tu parles de prix Nobel de Silis, mais Milton Friedman l'a eu aussi. Oui, oui, ça, celui-là, oui, il est bien dans le courant. Ouais. Voilà, dans le film, justement, on le voit recevoir son prix, et il y a une personne qui arrive quand même à rentrer, et on voit quand même, pour une personne, la tête de Friedman se déconfier. C'est assez jouissif, ça dure 2 secondes, malheureusement, quoi, mais ouais, je pense que le pauvre n'a pas dû en prendre une bonne derrière. Mais voilà, quoi, à quel point ça ne fait pas bouger les gens plus que ça. Mais c'est surtout que, au-delà de ça, moi, ce qui me choque le plus, c'est de, comment dire, c'est que l'économie ne fricote pas mieux avec la philosophie. C'est-à-dire que font nos philosophes en fait là-dessus, quoi. Et pour moi, ça, c'est vraiment problématique. Pareil, ils sont néolibéraux, ah, ils ouais, sont colonisés. Hein, ouais. Il y a un message de Joseph, parce qu'on salue quand même ceux qui sont en direct avec nous sur Facebook Live. On est également en direct sur YouTube ce soir pour ceux qui veulent nous regarder sur YouTube. Justement, il y a l'après-confinement. Est-ce que le président Macron et le gouvernement ont vraiment les boules? Je pense qu'ils ont peur, ouais. Alors, peut-être c'est le moment de parler contre-stratégie. Et oui. Peut-être que tu as vu, toi, David, la vidéo de Naomi Klein contre Trump. Elle avait une contre-stratégie en 5 étapes, et puis on a un peu discuté, on l'a rebidouillé, on l'a mis dans un autre sens, on a essayé de l'adapter avec Linda au temps présent et à notre situation. Et alors du coup, on a fait ça en 4 étapes, étudier l'histoire et savoir à quoi s'attendre, en étape 1, en 2, suivre l'argent, en 3, proposer un contre-projet audacieux, et en 4, qu'elle mettait plutôt en 2, je crois, sortir en masse. Parce que là, vu le virus, on ne peut pas sortir en masse dès le départ. Donc, c'est un peu problématique. Et comme j'ai expliqué dans un post perso sur mon compte Facebook, j'ai expliqué que de toute manière, on ne peut pas réactiver comme ça les travailleurs et les travailleuses, pour reciter Arlette, puisqu'on l'a cité tout à l'heure en off. Mais juste pour dire que, ne serait-ce que pour Île-de-France, c'est des millions de personnes qui vont y travailler. Donc, quoi qu'il 14 en soit, millions, je 14 crois. 14 millions, donc ouais. Il va falloir au moins 15 jours, ne serait-ce qu'au niveau national, pour établir tous les transports en commun, les TER, les RER, les transports communs dans les villes, les interconnexions, les bus Macron. Donc, on ne va pas les laisser faire, on va sortir avant. Alors, justement, comment ça va se dérouler? Comment ils imaginent dans leur tête l'après-confinement? Est-ce qu'ils vont attendre vraiment la période du mois de juin où il va faire peut-être certainement plus chaud que l'année dernière, où il y avait une canicule pendant quelques jours, en ouvrant certains commerces de proximité? Ou est-ce qu'il va attendre fin juin? Non, là, ils vont planifier. C'est-à-dire, Mélenchon, il n'arrête pas de dire « faut planifier », ils n'en ont rien à foutre. Et là, ils vont planifier. Je pense qu'ils vont planifier un déconfinement par région, et alors ils vont trouver des raisons pseudo-sanitaires, mais je pense qu'ils vont garder confinées les régions où ce sera le plus chaud, là où ça risquera de craquer. Et puis on va être dans un déconfinement de toute façon au coup par coup, c'est-à-dire qu'on ne va pas ressortir tous d'un coup de ce que me disait ma sœur, d'ailleurs, qui a tous ses enfants, qui à un moment donné, ça va, les enfants seront les derniers à sortir, en fait, il y a de fortes chances. Ah bon? Ah oui, apparemment, ce n'est pas eux qui sortiront en premier, en fait. On sait pertinemment qu'il y a quand même pas mal de personnes, de citoyens et de citoyennes, qui soient français ou pas français, parce que souvent, on oublie dans les discours politiques, les journalistes, les médias, on parle de citoyens, des Français, des Françaises. On ne parle pas justement de l'ensemble des citoyens qu'il y a sur le territoire national. On a l'impression de mettre... Et d'outre-mer, qui épuisent les dom-toms. Justement, on va pouvoir faire une petite parenthèse par rapport au décret qu'on a vu et qu'on a publié, justement, le ministre de l'Intérieur, M. Blanquer, qui a autorisé l'utilisation de matraques par des brigades au sein de l'éducation nationale, qui vont pouvoir se armer. Donc là aussi, À Mayotte. Donc voilà, donc ça date du 9 et ça a été renforcé le 10 avril. Donc on se dit, il y a quand même des choses qui passent en catimini. Oui. Et ce qui est bizarre, c'est qu'aucun média n'en a parlé. C'est surtout qu'en catimini, d'autant plus que c'est dans l'outre-mer. C'est-à-dire que c'est vraiment loin, caché.
C'est toujours pareil, les relents un peu colonialistes, un peu impérialistes, un peu racistes aussi. On va les calmer là-bas, on va tenter la chose de là-bas, puis on verra comment voilà, on peut l'importer sur le territoire. Voilà, donc on a l'impression qu'ils vont tester là-bas, ils vont faire du testing à grande échelle. Ah, bah, ça ressemble un peu à ça, c'est pas la première fois. Il y a José qui parle des vacances aussi. Donc, mais il y a beaucoup de gens qui interviennent. Il y a Eric qui a dit pas mal de choses. Il y a David aussi qu'on avait eu à l'émission. Je lui passe un bonjour parce que il a fait plein de commentaires. Ouais. Je peux pas tout citer, mais David, il avait participé. Ah bah, c'est un des premiers supporters, ouais. José. Parce que toi, Pierre, je ne sais pas trop ce que tu en penses vraiment sur la forme que prend la dictature. Parce que moi, je le vois vraiment via les répressions policières, notamment depuis un an et demi en gilet jaune. Alors, ce n'est pas la première fois qu'il y a des violences policières. Mais disons qu'en quatre mois de manif au début du mouvement gilet jaune, on a eu autant d'éborgnés qu'en 10 ans, 15 ans près. Oui, un truc assez hallucinant. Donc, c'était quand même... oui, parce qu'on a quand même passé presque 15 mois. Maintenant, on peut dire 16 mois, assez difficile quand même. Oui, très difficile. Pas qu'à Saint-Étienne. Ouais, et il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi le 49-3 qui est passé juste avant le confinement. Ouais, il ne faut pas l'oublier. Après un conseil des ministres spécial Covid, paraît-il. Oui, c'est vrai aussi. Oui, bah, tant qu'à faire. Dès le départ, ils ont instrumentalisé ce truc-là. Alors, justement, comment ils vont faire? Est-ce qu'ils vont. Ils savent pertinemment qu'il y a des gens qui vont. Allez, nous, on adore les manifs à droit citoyen parce qu'on peut aller au contact des gens. Et là, on peut recueillir justement leurs sentiments. Et je veux dire, ça frustre aujourd'hui les gens de ne pas pouvoir aller dire ce qu'ils pensent. Il y a quand même des opérations qui se déroulent auprès de certains groupes sur Facebook où on invite les gens à manifester au balcon. Mais il y a quand même une frustration qui commence de... Il commence à y avoir de la répression là-dessus, ouais. Vincent. À Marseille, il y a des gens qui se sont fait arracher leur pancarte. Oui. Après, la pancarte, elle était quand même assez crachée sur des bourgeois. C'est une banderole, quoi. Ouais. Faut pas abuser. T'es super modéré, Vincent. C'est pas grave, on fait les énerver. La différence, c'est qu'on n'est pas dans une démocratie, ne serait-ce par rapport à ça. Les flics sont rentrés manu militari dans la maison. Ça, ils n'ont pas le droit. Gazeuse à la main. Ça, ils n'ont pas le droit. On est d'accord. Il y a quand même, voilà, il y a des laissés-faire où il y a même des policiers qui se permettent de juger justement la validité, du moins le consentement. Bah ça, c'est la police en roue libre. Hein. Ouais. Donc après... Bon Pierre, est-ce que tu as une idée sur tout on ça on parle beaucoup, tu as le droit d'intervenir aussi et de nous couper. Hein. Oui, vous avez dit beaucoup de choses. Moi, ce que vous dites, ça me rappelle quand même, vous avez parlé d'Angleterre au début, mais quand les néolibéraux sont au pouvoir, ils ne sont pas dans la dentelle. Hein. Mais on a eu d'autres périodes en France sous Pierre où il y a eu de la répression qui n'a pas été non plus faire tendre, on le dit. En Angleterre, sous Thatcher, si on appelait Adam Thatcher, c'est pas parce qu'elle portait des bigoudis, hein. Enfin, c'est pas pour rien. Donc, tout ça est en effet très normal. Ensuite. Parce que là, pendant ce temps-là, on oublie les mobilisations qu'il y a eu au Chili, au Liban, les mouvements aussi qu'il y a eu en Algérie. Il y a beaucoup de choses qu'on est en train d'occulter, en fait, et on ne sait plus trop ce qui se passe dans ces pays-là. Oui, mais partout, dans le livre de Naomi Klein, on parle de tout complètement à ce moment-là. Et quand on a au pouvoir des personnes qui sont sûres de leur légitimité et qui pensent qu'il faut aller dans une certaine direction, quel qu'en soit le prix, c'est bon. Donc, quel que soit le degré de manifestation qu'il y a en face, qui mettent en proportion la réponse qui va avec. Pour ce qui est des blessures qui ont été faites pendant les manifestations, il y a quand même, ce qui est certain, de la part du pouvoir, un laisser-faire. Attends, je te coupe deux secondes parce qu'on me dit en fait qu'on t'entend très faiblement. Alors nous, on t'entend bien ici, mais... Moi, je l'entends bien aussi. Bien. Alors, est-ce que c'est mieux là? Oui, il me semble, oui. Essayez d'augmenter un peu le son. Bon, je ne sais pas si je peux augmenter le son sur mon casque. Après, c'est peut-être le micro du casque. Tout ça, c'est une question de fréquence. Hein. D'accord. Je disais ouais, c'est que mieux. La violence qu'il y avait jusqu'ici, en tout cas, on a eu assez peu de réponses de la part des autorités hiérarchiques, ce qui montre qu'il y a un certain laisser-faire et même des encouragements à continuer dans ce sens-là. Oh, oui. Donc tout ça... Ne pas dire que c'est mal, c'est pas dire que c'est bien. En tout cas, c'est encourager les mauvais comportements. Et d'ailleurs, les premiers à en pâtir, à mon sens, ce sont les personnes des forces de l'ordre qui, eux, sont intègres et qui se trouvent mêlés à cette situation malgré ce que eux peuvent penser. Et c'est
probablement pas pour rien que c'est une profession dans laquelle il y a beaucoup de difficultés. Des gens qui se suicident, ouais. Ah ouais. Et qu'il y a beaucoup de gens qui vivent mal. Et c'est pas pour rien. Quand on est dans une ambiance où il y a certaines personnes qui ont des comportements déviants, avec la hiérarchie qui se tait parce que ce sont les ordres, et que soit on n'a rien de droit à dire, et que si jamais on sort un peu du lot en essayant de l'ouvrir, on se fait tout de suite démonter par tous les autres, fatalement ça se passe mal. Je pense qu'en effet, il y a un gros problème où il y a à certains endroits des gens qui ont pris la main sur ce fonctionnement-là et qu'on laisse faire délibérément. Après, ils peuvent pas faire la même chose qu'en Argentine. Ou, enfin, moi, ce que j'avais entendu par Emmanuel Todd, je crois, hein, c'est qu'au moment du plus fort des Gilets jaunes en décembre, les hauts commandements et de la police et de la gendarmerie avaient dit au gouvernement « Écoutez les gars, nous on fait notre taf, mais si on doit tirer sur la foule, on le fera pas ». Donc il y a quand même des limites, c'est-à-dire qu'il y a quand même il y a quoi, 150 000 à 160 000 flics. On voit qu'ils essayent d'embaucher les chasseurs, qui filent des matraques au personnel de l'éducation nationale, même si c'est que à Mayotte. Parce que j'imagine qu'ils doivent avoir peur, mais à ce moment-là, ils ont mis les hélicoptères, chercher les tunnels à l'Élysée, parce qu'ils ont vraiment eu peur, en fait. Ils sont encore dans cette peur-là. C'est-à-dire, ils ont beau être coupés du réel, ils sont quand même pas complètement débiles. Et ils ne sont pas coupés du réel. Ils sont coupés d'un certain réel, voilà, parce qu'ils voient que des chiffres, très, en fait, très si très tu veux. Proche de leur réalité. Oui, de leur réalité, mais pas le réel qu'on vit nous, oui, mais si tu veux. Oui, ils s'en foutent. Je pense que vous, là-dessus, je suis un peu en désaccord avec vous. Okay. Le réel, ils voient on n'est pas d'accord tous les deux, alors du coup, il faut que tu dises. Ils pensent que c'est légitime. Ok. Ils pensent vraiment que ce qui fait que quelque chose est bien ou pas, c'est uniquement c'est le pognon. Et que c'est le mérite du fric qui doit permettre aux gens de s'en sortir ou pas. Oui, et qu'ils pensent que tout ce qui est de l'ordre du service public ou de la redistribution, c'est une prison dans laquelle il faut sortir. Oui, mais il y a un aveuglement. Emmanuel Todd, il parle de cet aveuglement. Il dit c'est un filtre sélectif de l'ENA. Il faut croire que l'euro marche, alors qu'en fait, l'euro ne marche pas. Et ça, tous les économistes dans le monde le disent, même les Allemands d'ailleurs, ils se foutent bien de notre gueule. Et il y a des choses qui sont de l'ordre de l'aveuglement quand même chez cette élite française. Où... Qu'est-ce que tu appelles ne pas marcher ? C'est là-dessus où il faut se mettre d'accord. Bah, pour la France, pour l'Italie, pour l'Espagne. Pour les Allemands, ça marche, mais... Ça a permis de privatiser énormément de choses et de prendre le contrôle, et ça a permis à des acteurs privés de prendre le contrôle de biens publics. Donc c'est une réussite. D'accord. Le but, ce n'est pas l'égalité ou bien le fait que tout le monde ait à bouffer et que tout le monde aille à l'école. Le but, l'avènement libéral, c'est de libérer les gens de structures collectives qui, pour eux, sont des prisons, donc, notamment l'État, et donc l'euro est un des moyens d'y arriver. Qui est en train de préparer la BCE, qui va nous faire de l'austérité à tous les pays, histoire de continuer à détruire ce qui est du service public, et qui, dans le même temps, va donner des milliers de milliards d'euros de quantitative easing aux financiers, c'est pour aller vers l'avènement libéral, c'est-à-dire permettre à des acteurs privés de prendre le contrôle de structures publiques. C'est bien ça le but. Et comment ils peuvent s'imaginer que ça peut marcher, en fait ? Bah, ils ont tous les pouvoirs, donc ils peuvent se le permettre. Non, il ne s'agit pas de marcher, il s'agit d'un but visé. Le but, c'est la liberté, et donc c'est de casser la structure collective qui est une atteinte à la liberté. Il ne s'agit pas de marcher. On va se rebeller, si tu veux, que les gens vont pas... Enfin, en Italie, il y a eu des émeutes dans les prisons, il y a les gilets jaunes depuis un moment, il y a eu le mouvement des indignés en Espagne, enfin, je peux en passer un paquet. Ils s'imaginent... Est-ce qu'ils se préparent d'un point de vue militaire, en fait? Je veux dire, hormis les histoires de contrôle social, avec les nouvelles applications, trucmuches, ils s'imaginent qu'ils vont contrôler les populations. Comment ces gens? Parce que s'ils ne sont pas déconnectés du réel, et je suis d'accord, ils ne sont pas que déconnectés, ils ne sont pas que crétins, donc s'ils ne sont pas que crétins, ils se rendent bien compte que dans les pays comme le Chili, ou dans tous les pays où on a appliqué la doctrine néolibérale, c'est ce que dit la stratégie du choc, enfin, on est obligé à un moment donné de tabasser et de tirer sur les gens et de les emprisonner, mais en mode dictature violente. Donc, est-ce qu'ils se préparent à mettre en place la dictature? Oui, justement, on peut rajouter justement qu'il y a eu plus de 3 millions, c'est ça? 3 millions d'euros d'achat de gaz lacrymogène. 3 600 000 à peu près. Voilà. Donc, voilà, appel à marché, ouais. Justement, ça marche pour les lacrymos et cette date de fin, début mars.
Début mars. Ouais, début ou fin mars, j'ai un trou de mémoire. Enfin, mois de mars. Donc oui, là, on peut se poser la question justement. Le Covid était déjà là. Oui. C'est un peu avant le confinement. Donc c'est un appel d'offres. Oui, je pense pas qu'il y ait besoin de dictature militaire pour emmener le néolibéralisme. Il y a du néolibéralisme qui se met en place facilement en cas de dictature militaire. C'est ce qui s'est passé au Chili. Mais c'est plutôt dans cet ordre-là. Par contre, en Angleterre, ils sont arrivés à un point qui soit plus néolibéral que nous, et ils l'ont fait sans avoir besoin de que les militaires tirent dans la foule. Il n'y a pas besoin. En Italie, ils sont beaucoup plus libéraux que nous également. En Allemagne, ils ont cassé leur système de retraite. Il y a eu des énormes manifestations quand Schröder a cassé le système de retraite allemand, et ils y sont arrivés quand même. Enfin, je pense pas qu'il y ait de guérilla de leur côté à réfléchir et à penser. Ils vont faire comme leur but, c'est de faire comme les autres en se disant que ça a bien marché ailleurs et donc ça va marcher chez nous. Mais du coup, comment on fait, nous, pour lutter contre ça, alors? Ben, moi, je pense que le principe de la manifestation, ça permet au moins d'alerter sur ce qui se passe. Après, il est sûr que, de toute façon, la majeure partie des médias font partie de l'élite et donc sont aussi convaincus de la nécessité de libérer l'économie, tout ça, et d'amener le libéralisme. Hein. Il n'y a pas de secret. Pour l'instant, je vais être très cru, hein, la seule chose qui a empêché l'ordonnance Macron sur le Covid-19 d'être à 100 durée limite, c'est le Sénat. C'est-à-dire que c'est le Sénat de droite, rappelons-le, qui a fait mettre une date de fin puisqu'il trouvait que ça nuisait aux libertés. C'est-à-dire qu'il reste quand même dans ce pays certaines castes politiques non néolibérales. Il y en a de différentes sortes. Il y a des gâteaux, il y a aussi des patrons républicains. Enfin, il se passe des choses. Il reste des gens avec une certaine influence qui ne sont pas forcément en accord avec les libéraux. Ce n'est pas pour rien, et je le répète, que Macron a fait élire à la place de député des pantins. Il a choisi délibérément des gens qui n'avaient pas de vernis politique et qui n'étaient pas du tout du sérail. Ça permet de mieux les contrôler. Il n'est pas dit du tout que le Sénat se laisse faire complètement et que toute la vieille caste politique se laisse faire également complètement. Donc il reste un espoir démocratique. Ah ouais, t'as encore espoir dans la politique, quoi. Pour moi, le seul espoir, c'est qu'on renverse le gouvernement avant les élections. Ouais. Enfin, je veux dire. Peut-être qu'il va se renverser par lui-même, non? Puisqu'on on a évoqué la possibilité d'une dissolution pour calmer un peu de l'Assemblée nationale, pour calmer Une dissolution pour avoir les mêmes pantins. Non, ça sera les mêmes. Non, mais moi, c'est une stratégie que Macron pourrait avoir. Enfin, moi, je crois que notre seul moyen de nous en sortir, c'est une insurrection qui sera non violente si on est vraiment des millions dans les rues, en fait. Parce que si on en arrive au présidentiel, ils vont encore nous faire le même sketch. Front National, c'est pas bien. Macron, et puis lui, il sera au second tour. Peut-être qu'il sera au second tour contre un Mélenchon ou un Ruffin ou un truc comme ça. Mais est-ce qu'il va gagner en France contre un Macron, un Mélenchon ou un Ruffin ou un vrai de gauche, quoi. Surtout avec les chiens de garde qui sont vraiment, vraiment au taquet en ce moment. Alors, du côté de la politique, en fait. Bien préciser les chiens de garde aussi. Oui, les journalistes à la botte du gouvernement, la propagande, en fait. Donc, moi, en tant que citoyen, quand je regarde la vidéo de Pierre et quand j'écoute l'émission que nous sommes en train de réaliser, on se dit, mais où est-ce qu'on va, en fait? Donc on attend avec grande impatience l'intervention du président lundi. Impatience, un peu d'anxiété. Non, mais avec impatience quand même pour savoir déjà si le confinement il va durer longtemps, puisque de toute manière, s'il fait une intervention, c'est pas pour nous dire que ça va être reconduit pour 15 jours, mais au minimum pour le 31 mai sûr. Sans compter justement le fait est que les gens commencent à s'impatienter, à s'énerver. Il y a des personnes aussi qui sont en grande précarité, qui vivent dans des conditions pas possibles. Il y a ceux qui ont du mal à vivre et à survivre parce que justement on oublie que certaines enseignes en ont profité pour augmenter les prix. Donc là on se dit, que fait-on? Parce que dans d'autres pays, comme on voit aux États-Unis, où ils sont en train de distribuer des repas gratuits, des colis alimentaires, aux États-Unis, quand même, c'est dingue. En France, on se dit, mais qu'est-ce qui va arriver? En France, il y a des distributions de colis alimentaires où les gens ont été arrêtés et amendés par la police, t'imagines? Et puis surtout, c'est pas du tout la même façon de filmer ça et de gérer la solidarité aux États-Unis en France. C'est-à-dire, quand on voit les grandes files, là, comme on a tous vu là ces derniers jours,
aux États-Unis, c'est des choses qui sont impensables en France parce qu'on oui. on ne construit pas de la même façon. Et ça rejoint justement la vidéo parce que quand j'étais jeune aussi, quand on voyait un peu ce qui se passait à l'époque de l'URSS, où il y avait justement des problèmes d'alimentation dans les magasins, où il y avait des grandes files qu'on voyait justement à l'extérieur. Ça renvoie à ces images-là, en fait. Oui et non, parce que... Oui, parce que les magasins, ils sont remplis. Non, mais... non, c'est pas ça. C'est qu'il y a effectivement des grandes files, sauf qu'en fait, les files sont très, très grandes. Ce matin, j'étais, à midi, à centre-ville, devant la boulangerie, une des rares boulangeries encore ouvertes, qui est Paul. Et en fait, la file, honnêtement, elle s'étirait sur 10 mètres. Mais en fait, sur 10 mètres, il y avait 5 personnes. Comme quoi, là, les non, mais je veux dire, c'est le symbole. Ça renvoie à des images quand même qu'on a connues étant jeune. Et voilà. Et moi, c'est pour ça que je suis content d'être en France, de ce côté-là. Ceci dit, trouver de la farine aujourd'hui, c'est pas facile. À côté, apparemment, il y en a de temps en temps. Bon, après, c'est normal, c'est gâteau. Tous les jours, avec les enfants, c'est gâteau, apparemment. Donc, on a un manque de farine, c'est pas une question de pénurie. Non, mais après, c'est pour rebondir sur ce que tu disais, Pierre. Moi, j'aime bien le terme, effectivement, de dictature technocrate, dans le sens où je ne pense pas qu'on va nous balancer l'armée la sortie du moment où on va sortir dehors. Tant qu'on soit en manifestation, en tout cas. Bah, est-ce qu'il serait capable de le faire? Parce que ça renverrait une image assez négative de la France. Ah bah, plus que négative. Et puis là, la fameuse notion, comme tu disais, Pierre, par rapport à la liberté, parce que moi, je te rejoins vraiment là-dessus, c'est-à-dire qu'eux pensent être du bon côté de la liberté. Oui, oui, moi, je suis d'accord avec vous. Donc, pour eux, cette liberté-là... Ils ont cette liberté aussi. Démocratique. Ils ont cette liberté de mouvement que nous, on n'a pas. Ah bah oui, et puis ils ont surtout l'argent. Ouais. C'est au-delà du mouvement, etc., c'est l'argent. Hein. En tant que ce qu'on disait une fois avec, je crois que c'est avec toi, Nico, c'est-à-dire que si tous les médias alternatifs avaient l'argent que les chiens de garde ont, mais on ne serait pas juste des petits médias alternatifs. Ah, moi, je serais content. Il y aurait une réelle voix et un réel contre-pouvoir. C'est bien ça le problème. À chaque fois que l'on monte des organisations, qu'elles soient associatives, qu'elles soient vraiment politiques même, que ce soit des syndicats, etc., le nerf de la guerre, ça reste l'argent. On n'en a pas. Gilets jaunes, on a eu des milliards avec nous financiers, mais la révolution Gilets jaunes, si on avait eu des milliards, on serait pas allés. On serait pas allés dans la rue sur des... Rêvons que je ne sais pas, quelqu'un de l'oligarchie nous mécène. Il a quand même lâché des millions. Je sais pas, qu'est-ce que ça t'inspire, Pierre? Qu'est-ce que ça t'inspire? Toi, tu crois encore à la solution politique ou... Et à ces solutions du système. Moi, je pense même qu'on n'a pas le choix. En effet, parce que dans le système actuel, c'est que pour l'instant, les libéraux, les néolibéraux ont la légitimité républicaine. De toute façon, ils sont légitimes à faire ce qu'ils font, même si ça a été fait par des moyens qu'on peut contester aujourd'hui, c'est-à-dire la prise de contrôle du Parlement au service de l'exécutif, etc. Bon, aujourd'hui, la légitimité, elle est là. S'il y a une guerre à gagner, à mon sens, aujourd'hui, c'est une guerre des idées. Et c'est de réussir à faire comprendre aux gens qu'on a le droit de défendre d'autres valeurs que celles du chacun pour soi et c'est ton mérite individuel qui te permet d'être le maître de ton prochain et que lui, ce soit ton esclave. C'est ça le principe. Mais ça, on a déjà gagné. Il y a des sondages dans leurs sondages où ils disent qu'il y a plus de 70% des Français qui sont pour un changement radical de système. Oui, mais pour aller vers quoi je suis... Ah bah là, on n'est pas tous d'accord. Ouais. Mais voilà, c'est ça. Et du coup, s'il n'y a pas, à mon sens, pour aller vers quoi, ça dépend. Et s'il s'agit d'aller vers un autre style de libéralisme qui soit un peu plus déguisé, est-ce que ça changera quelque chose? Je n'en sais rien. Non, nous, à mon sens, il y avait un très bon article qui avait été écrit, il avait été publié sur, je crois que c'était sur Figaro une époque, qui montrait l'ancien clivage gauche-droite et le nouveau clivage entre le libéralisme. En gros, est-ce qu'on est libéral ou est-ce qu'on est républicain, quoi. Mais je pense qu'il y a un vrai changement dans les mentalités à faire. Il va falloir que des gens se positionnent et qu'ils comprennent que... Et le social, on le met où dedans? C'est la liberté individuelle. Pour moi, c'est la même chose. Là, je pense que la liberté monétaire et économique et la liberté individuelle totale, c'est la même chose. Donc, évidemment, il va falloir faire un choix. Oui. Soit on met des règles qui sont des règles économiques et qui seront en face de règles de vie et de règles de société qui sont autre chose qu'on connaît maintenant. Soit on va vers le libéralisme total et ce sera chacun pour soi, c'est-à-dire que chacun aura le droit de faire absolument ce qu'il veut dans notre société et économiquement aussi. Et c'est vers ça qu'on se dirige. Il faut lire du Attali pour ça. Attali pour moi, j'ai lu quelques bouquins de lui, c'est assez flippant. Voilà, Attali, il explique que l'avènement de la civilisation, ce sera ça, c'est quand enfin on supprimera toutes les
loi et que les gens, on considérera qu'ils se prostituent librement, même si c'est pour gagner leur bouffe, sinon ils vont crever de faim. Et c'est ça pour lui la vraie liberté. Bon, moi j'attends personnellement la mort d'Attali, hein, avec grande impatience. Pas forcément surtout, du Covid, hein, mais voilà, au moins sa mort médiatique. Hein, j'attends. C'est un des seuls qui exprime vraiment ce que c'est que le libéralisme. Ah, mais ça, je suis absolument d'accord. Il est souvent invité sur Quotidien. Mais Attali, c'est la voix de tous les présidents, c'est la voix... Depuis Mitterrand, j'ai l'impression, en fait, d'avoir grandi avec Attali, d'une certaine façon. Mais il passe bien, quand même, donc... C'est ça qui est... Ah bah oui. Il s'appelait aux gens, mais... Je fais d'autres vidéos, je tire ma pub, j'en étais qu'un tout petit peu, pour parler de la culture aussi, et ce que c'est que la culture... Il faudrait rappeler le nom de la chaîne de YouTube, justement. Décoder l'écho. On mettra le lien, de toute manière, après. Et toute cette culture... Cette culture-là, pardon, du chacun pour soi, c'est aussi ce qu'on a à chaque fois qu'on allume la radio et qu'on écoute du rap actuellement, quand on regarde des américains, être l'individu unique, l'individu seul comme étant le plus fort et celui qui sauve les autres, ou bien mettre en avant celui qui réussit, qui gagne plein de fric, tout ça, c'est le même système de pensée. Mais je voudrais encore revenir sur la stratégie, parce que moi, franchement, je crois qu'on n'a pas le temps, en fait. La stratégie du choc, ils sont en train de la mettre en place. Là, ils ont un choc rêvé, le coronavirus. Et en plus, on ne peut pas descendre en masse dans la rue, on ne peut pas désobéir. C'était la stratégie de Naomi Klein qui me paraissait bien. C'est celle qu'on avait commencé à mettre en œuvre. Et en fait, d'ici à l'élection présidentielle, mais on a aucune chance de gagner par les urnes. On va se faire défoncer, en fait. J'entends tout ce que tu dis, mais je viens du champ politique. J'ai été engagé politiquement quand j'étais gamin, j'avais ma carte au PC, enfin, j'ai été syndicaliste étudiant, tout ça. Mais j'ai arrêté d'y croire assez rapidement. Hein. J'ai fait un passage éclair au MJS et l'annexe jeune du PS. Ça m'a dégoûté de la politique, j'ai arrêté il y a 20 ans, quoi. J'ai laissé tomber. La FI, ça m'a intéressé parce que j'ai senti qu'il y avait une vraie chance que ça gagne. Je suis content qu'ils continuent sur une stratégie qui peut leur permettre de gagner aux prochaines élections et qu'ils puissent aussi peut-être s'allier, enfin j'en sais rien, parce qu'ils maintiennent cette flamèche-là au cas où, mais il me semble que c'est risqué quoi, de faire confiance à ça. Mais ils gagneront jamais, là, ici. Moi non plus, il me semble, mais si jamais nous on ne gagne pas dans la rue, si on n'arrive pas à faire une insurrection, moi ma stratégie privilégiée, c'est qu'on les mette dehors dès que possible. Ah, on sort dans la rue et puis on fait une insurrection non violente. Pierre, il ne semble pas attiré par cette idée. Parce qu'en fait, nous, on n'en a pas parlé encore, mais voilà, c'est la... Ah, il faut savoir que Linda et Nicolas sont gilets jaunes. Oui, oui. Voilà. Mais au-delà de ça, c'est que par rapport aux tactiques de Naomi Klein, on avait pensé justement proposer un projet audacieux, c'est-à-dire qu'en gilet jaune... Mais est-ce que vous voulez qu'on mette la vidéo, justement, et qu'on revienne après? Ah, la contre-stratégie de... Oui. Si on a le temps, à la rigueur, oui. Elle dure combien de temps? 5 minutes? Non, elle est un peu plus longue. Elle dure 8 minutes. 8 minutes, ouais, 8 minutes avec sous-titres. Comme ça, voilà. Ouais, pourquoi pas. Peut-être un petit mot avant qu'on lance. Pierre, tu peux donner ton sentiment sur cette insurrection. Moi, peut-être que je me trompe, mais je ne pense pas que ça soit déjà vu. Et du coup, moi, je pense que la seule solution qu'il y a à voir, c'est de plutôt qu'il y ait une démonstration qui peut-être marque les esprits et montre qu'il existe quelque chose. Ça, oui. Que derrière, ça amène une dislocation du pouvoir, ça, j'y crois absolument pas. C'est ma conviction personnelle. Bon. Alors, pourquoi en fait? Ouais. Je pense, c'est parce que ça, d'une part, ça ne s'est jamais vu. Je pense que les gens qui ont aujourd'hui ces idées-là sont pas majoritaires et qu'il y a mine de rien une certaine partie des gens qui peut-être regardent la télé, sont convaincus par les médias, etc., mais qui trouveront ça légitime que le pouvoir se défende. De toute façon, dans une démocratie quelle qu'elle soit ou dans un pays quel qu'il soit, la majeure partie des gens restent passifs. Ouais. Et les gens qui restent passifs donnent la légitimité au pouvoir en place. Oui, donc de toute façon, à mon sens, ça ne s'est jamais vu une prise de pouvoir par une révolte collective, même pacifique, que ce soit pacifique ou autre, mais qui vienne de tout le peuple en même temps. Hein. Je pense que ça ne s'est jamais vu. Les seules fois où il y a eu des soulèvements populaires qui ont amené à autre chose, ça s'est toujours passé par une minorité. De toute façon, mais par la non-violence, j'y crois pas. Il y a peut-être cité Gandhi sur certaines choses, mais je vois pas du tout comment ça pourrait arriver.
je pense par contre que l'éveil des consciences, le fait de discuter ce qu'on est en train de faire ce soir, essayer de montrer aux gens qu'il existe d'autres solutions, et essayer surtout d'ouvrir les yeux aux gens sur ce qui est en train de se passer, ça peut ouvrir des consciences et faire que chacun, finalement, mon but à moi, c'est juste que chacun fasse son propre choix. Ouais, c'est le but de Droit Citoyen, justement, c'est de faire en sorte d'être assez neutre et, sur la façon de faire, et de vous laisser penser justement comme vous devez penser, et non pas orienter un débat comme le font certains journalistes. Ouais. Oui, mais ils ont leur propre conviction. De toute façon, chacun parle avec ses propres convictions. Oui, d'ailleurs, c'est Nicolas, normal. Nicolas et moi, on le fait, et Linda oui. aussi. Oui, c'est important même. Alors que moi, j'essaie de mettre un peu plus de neutralité, donc voilà, donc je ne m'avance pas trop. Droit citoyen reste justement un média qui redonne la parole aux citoyens. Voilà, et après, il va bien falloir que chaque citoyen, à mon sens, hein, que chaque citoyen est conscient de l'éclairer face à son choix, et ce choix-là, il faudra qu'on l'assume. Et si tu as raison et que tu dis que aux prochaines élections, ce sont les mêmes qui repartent, ça veut dire que dans la guerre des idées, on aura perdu. Et ce qui sera légitime, ben, ce sera l'austérité, la casse des services publics et tout ce qui va avec, ce qui amènera la catastrophe qu'on connaît, mais ce sera la légitimité. Oui, mais le problème, en fait, c'est que... le problème, en fait, numéro un. Dans le sens où nous, notre fameux projet audacieux, c'est quand même essayer de remettre ça en cause, poser le RIC. Voilà, penser par, enfin, réactiver là aussi par les gilets jaunes, hein, c'est pas une idée toute neuve, mais c'est arrêter de penser qu'on peut déléguer notre parole comme ça, en fait. Bon, peut-être qu'on va en reparler après la vidéo, oui. En fait. Alors, Pierre, en tout cas, merci pour l'intervention. On rappelle la vidéo, de toute manière, qu'on a mis au début de la vidéo. On va mettre les liens, de toute manière. Et c'était très important pour nous de nous avoir donné le temps d'expliquer un peu plus cette vidéo, parce que c'est rare d'avoir des vidéos qui apportent un peu plus de précision et pas avec des trucs cachés, avec des voix truquées. C'est que là, on a quelqu'un justement avec un visage clair et qui dit des choses claires, donc c'est pas plus mal. Bah, écoutez, merci à vous. Si vous un jour vous avez d'autres envies, d'autres idées, avec plaisir. Parler d'autres choses, ce sera avec plaisir en tout cas. Merci en tout cas. Merci beaucoup en tout cas. Et oui, je pense qu'il y a peut-être des chances qu'on te rappelle, effectivement. À bientôt. Merci et bonne soirée. Bientôt, merci. Au revoir. Donc là, bon, j'ai coupé un peu brutalement, désolé Pierre. En tout cas, on va envoyer une petite vidéo de quelques minutes, puis on revient après, et après on clôture l'émission. D'accord ? Allez, zou. From New York, this is Democracy Now! I'm Amy Goodman. Today we spend much of the hour looking at the economic impact of the coronavirus pandemic, what some are calling coronavirus capitalism. Soon we'll be joined by Nobel Prize-winning economist Joseph Stiglitz, whose new book is People, Power, and Profits: Progressive Capitalism for an Age of Discontent.
But first, we begin with a new video by author and activist Naomi Klein, produced by The Intercept. In 2007, Klein wrote The Shock Doctrine, The Rise of Disaster Capitalism. Now she argues Trump's plan is a pandemic shock doctrine, but it's not the only way forward. The video opens with this quote from economist Milton Friedman, who says, "Only a crisis, actual or perceived, produces real change. When that crisis occurs, the actions that are taken depend on the ideas that are lying around." Ideas that are lying around. Friedman, one of history's most extreme free market economists, was wrong about a whole lot, but he was right about that. In times of crisis, seemingly impossible ideas suddenly become possible. But whose ideas? Sensible, fair ones, designed to keep as many people as possible safe, secure, and healthy, or predatory ideas, designed to further enrich the already unimaginably wealthy while leaving the most vulnerable further exposed? The world economy is seizing up in the face of cascading shocks. COVID-19 can be characterized as a pandemic. In the wake of the coronavirus crisis, stocks have stopped trading on Wall Street after a 7% drop. This is a historical day, the biggest drop we've seen since that crash in 1987. The drop was spurred by a growing oil price war as the market was already weakened by coronavirus fears. Yeah, no, I don't take responsibility at all. In the midst of this widespread panic, corporate lobbyists of all stripes are, of course, dusting off all the ideas they had lying around. Trump is pushing a suspension of the payroll tax, which could bankrupt Social Security, providing the excuse to cut it or privatize it completely, an idea that has been lying around for a very long time. A worker, at his or her option, ought to be allowed to put some of their own money in a, you know, in a private savings account. Lying around on both sides of the aisle. When I argued that we should freeze federal spending, I meant Social Security as well. I meant Medicare and Medicaid. And then there are the ideas being floated to bail out some of the wealthiest and most polluting sectors in our economy. We are working very closely with the cruise line industry, likewise with the airline industry. They're two great industries, and we'll be helping them through this patch. Bailouts for fracking companies, not to mention cruise ships, airlines, and hotels, handouts which Trump could benefit from personally. Which is a big problem because the virus isn't the only crisis we face. There's also climate disruption, and these industries that are getting rescued with our money are the ones driving it. Trump has also been meeting with the private health insurers. We're meeting with the top executives of the health insurance companies. The very ones who have made sure that so many Americans can't afford the care they need. And what are the chances they don't have their hands out? It seems like the whole pandemic is getting outsourced. Well, Mr. President, thank you for inviting us here today, along with our colleagues from Walmart and Walgreens and our partners at CVS. Normally, you'd view us as competitors, but today we're focused on a common competitor, and that's defeating the spread of the coronavirus. The Fed's first move was to pump $1.5 trillion into the financial markets, with more undoubtedly on the way. But if you're a worker, especially a gig worker, there's a very good chance you're out of luck. If you do need to see a doctor for care, there's a good chance no one's going to help you pay if you aren't covered. And if you want to heed the public health warnings to stay home from work, there's also a chance that you won't get paid. Of course, you still need to pay your rent and all of your debts, medical, student, credit card, mortgage. The results are predictable. Too many sick people have no choice but to go to work, which means more people contracting and spreading the virus. And without comprehensive bailouts for workers, we can expect more bankruptcies and more homelessness down the road. Look, we know this script. In 2008, the last time we had a global financial meltdown, the same kinds of bad ideas for no strings attached corporate bailouts carried the day. And regular people around the world paid the price. And even that was entirely predictable. 13 years ago, I wrote a book called The Shock Doctrine, The Rise of Disaster Capitalism. It described a brutal and recurring tactic by right-wing governments. After a shocking event,
a war, coup, terrorist attack, market crash, or natural disaster. They exploit the public's disorientation, suspend democracy, push through radical free market policies that enrich the 1% at the expense of the poor and middle class. But here is what my research has taught me. Shocks and crises don't always go the shock doctrine path. In fact, it's possible for crisis to catalyze a kind of evolutionary leap. Think of the 1930s, when the Great Depression led to the New Deal. The only thing we have to fear is fear itself. In the United States and elsewhere, governments began to weave a social safety net so that the next time there was a crash, there would be programs like Social Security to catch people. The right of every family to a decent home, the right to adequate medical care, and the opportunity to achieve and enjoy good health. Look, we know what Trump's plan is, a pandemic shock doctrine featuring all the most dangerous ideas lying around. From privatizing Social Security, to locking down borders, to caging even more migrants. Hell, he might even try canceling elections. But the end of this story hasn't been written yet. It is an election year, and social movements and insurgent politicians are already mobilized. And like in the 1930s, we have a whole bunch of other ideas lying around. Do we believe that everybody should be entitled as a right to health care? Yeah! We will not stop organizing and fighting until all unhoused folks who want shelter have shelter. Canceling student debt. It makes so much sense that if you're sick, that you should not be penalized where you don't have an income. Many of these ideas were dismissed as too radical just a week ago. Now, they're starting to seem like the only reasonable path to get out of this crisis and prevent future ones. Now, here's something that helps explain the difference between the testing situation in South Korea and the U.S. The South Korea, like European countries and Canada, has universal single-payer insurance, and that means that it's easier to mobilize, and also people know what to do. There is pretty much one answer for how to get testing. The U.S. is a patchwork of countless different systems, and so you can't say, here's exactly the steps that every American should take in order to get tested. And with Washington suddenly in the giant stimulus business, this is precisely the time for the stimulus that many of us have been talking about for years. Today is the day that we truly embark on a comprehensive agenda of economic, social, and racial justice in the United States of America. It's called the Green New Deal. Instead of rescuing the dirty industries of the last century, we should be boosting the clean ones that will lead us into safety in the coming century. If there is one thing history teaches us, it's that moments of shock are profoundly volatile. We either lose a whole lot of ground, get fleeced by elites and pay the price for decades, or we win progressive victories that seemed impossible just a few weeks earlier. This is no time to lose our nerve. The future will be determined by whoever is willing to fight harder for the ideas they have lying around. That's author and activist Naomi Klein of The Intercept. The video ends with Milton Friedman's quote, "Only a crisis, actual or perceived, produces real change. When the crisis occurs, the actions that are taken depend on ideas that are laying around. That, I believe, is our basic function to develop alternatives to existing policies to keep them alive and available until the politically impossible becomes politically inevitable." De commenter l'actu ou de lâcher un simple coup de gueule, c'est le moment de vous exprimer avec Droit Citoyen. C'est quartier général, c'est quartier général. Prenez la parole sans plus attendre et composez le 09 72 262 462. Allez, respirez et décompressez. Composez le 09 72 262 462 et déposez votre message dès maintenant sur le répondeur qui redonne la parole aux citoyens. Une émission animée par Vincent Bach. Retrouvez toutes nos actus sur notre page Facebook droitcitoyen.info. De retour sur Droit Citoyen, bienvenue à tous et à toutes. Donc, nous sommes en direct sur Quartier Général, émission de Droit Citoyen, le numéro 10 spécial coronavirus, pardon, avec nous ce soir.
Nicolas et Linda. Alors, on a vu deux vidéos, celle-là aussi, elle fait mal. Ah, là, je vais allumer vos micros. Oui. Ouais, je suis désolé, on a fait une petite pause. Ouais. Bah oui, on a fait une petite pause, on a fumé notre petite clope pour se calmer parce qu'on est un peu énervé. Nous, on veut l'insurrection, nous, on est des. Et puis, on a du soutien, je vois que Gabriel, il est d'accord aussi. Alors, justement, il y a pas mal de signaux, on va dire. Ah, c'est qui met le retour? C'est moi. Ah. C'est toi. Ah non, c'est pas moi le retour son. Ça sort d'où ça? Je sais pas. Ah, vous êtes un peu énervé. Voilà, donc c'est les aléas du direct en fait. Hein. Voilà. Bon, sachez qu'on est en service minimum, forcément, confinement oblige. Notre cher community manager, on fait un petit coucou à Candy, puisqu'elle nous suit. Salut Candy. Voilà. Candy. Et qui connaît bien le matos maintenant, mais bon, voilà, il n'y a personne derrière la régie. Et ce qui fait que je fais tout seul. Donc, je disais, il y a des signaux. Il y a des signaux, les gens ne sont pas contents du tout de la politique de Macron en matière de soins, parce qu'on a vu que le confinement, il n'est pas fait pour faire beau. Il est fait parce que justement, on n'a pas la capacité justement d'accueil dans les services de réanimation au vu de nombre de lits qui ont été fermés et de contractuels qui remplacent des fonctionnaires, des titulaires qui n'ont plus place au sein de la fonction hospitalière. Et puis, il y a le directeur de l'ARS, dernièrement du Grand Est, qui s'est fait reverser. Oui. Et voilà, qui a maintenu fermement qu'il allait fermer je ne sais plus combien de 600 lits. Postes. 600 postes, 600 et 5000 lits, non? Le nombre de... Non, peut-être pas 5000 lits, non. Mais 600 postes, c'est déjà pas mal. 600 postes, c'est énorme. Ouais, il faut savoir qu'il y a c'est tous les lits, là. C'est un hôpital entier. C'est un hôpital lit, entier. On en a plus. Voilà, il faut savoir, c'est que déjà, les gens, il y a des gens qui travaillent en journée continue, hein, qui font 12 heures. Il y en a qui font 7h40 le matin, 7h40 le soir. Il y en a qui travaillent la nuit. Donc, il faut du monde dans un hôpital. Hein, on fait pas ça avec des 35 heures. Et ils ont beau être fatigués, je sens qu'il y a une bonne part des personnels hospitaliers et soignants, peut-être qu'ils prononcent pas le mot insurrection, mais qui sont quand même chauds patates. Non, mais je pense que oui, il y a un gros ras-le-bol qui fait qu'il y a quand même une masse de colère. De colère qui déjà avec la retraite, la réforme des retraites avec le 49.3 qui est passé bien dans l'OUSD et bien méchamment de façon bien sournoise par notre cher gouvernement et surtout la gestion de la crise où n'empêche on peut dire c'est quand même une stratégie assez néolibérale aussi de la gestion du Covid-19. Donc par rapport à la petite vidéo qu'on a passée, on voit que Naomi Klein propose elle 5 tactiques. Alors, c'est pas celle-là qui est passée. Là, c'est la nouvelle. Ah oui, pardon. Elle propose la contre-tactique. Voilà, mais la contre-tactique par rapport là aux États-Unis et ce qui se passe aux États-Unis par rapport au Covid-19. Alors nous, par rapport à une autre vidéo, elle a proposé 5 tactiques. Nous, avec Nico, on en a on en a mis 4 et puis on l'a remis aussi pardon, au goût du jour français et en fonction de ce que l'on vit avec le confinement. Donc, comme on le disait tout à l'heure, quand on a commencé à aborder, c'est en premier, c'est étudier l'histoire et savoir à quoi s'attendre. D'où l'intérêt aujourd'hui de parler de la stratégie du choc, ce que c'est, comment c'est, sachant que ça fait, dans le film, il remonte, je ne sais même plus à quelle période il remonte. Le Chili, il remonte au milieu du 19e. Voilà, du 20e. Du 20e. Raconter ça, Pierre nous racontait justement par rapport à Louis XVI. Moi, j'avais même pas pensé à remonter si loin, mais effectivement, c'est quand même une réalité de l'époque. Enfin, voilà, on a quand même énormément d'outils, de livres, de vidéos, dont la stratégie du choc, pour nous raconter ce qui s'est passé avant. À chaque choc, un choc, c'est une crise. Hein, c'est pas un choc, bim. Non, c'est une crise, en fait. Mais et ce qu'elle dit dans cette vidéo-là, tu sais, elle cite les néolibéraux, oui. Et elle dit, parce qu'eux, ils avaient compris ça. Ils disent que c'est un bon moment pour imposer les idées. Exactement. Qui sont lying around, elle dit. Ça veut dire les idées qui sont dans l'air du temps. Et ce qu'elle dit, elle donne beaucoup d'espoir. Elle dit, peut-être que c'est les nôtres qui vont gagner ce coup-ci. Des fois, ça arrive aussi. Voilà. Et que nous, en France, on avait quand même le mouvement Gilets jaunes depuis un an, maintenant un an et demi. Et quand bien même toute la population ne nous a pas suivis, il ne faut pas se leurrer. Comme le disait très très justement Pierre, ne jamais non plus dans une lutte comme on est en train de mener côté Gilets jaunes, puis côté même tout militant de tous bords. Hein. Là, c'est même pas, on est même hors étiquette en fait, totalement. C'est que le plus dur, c'est de bouger les gens passifs. Alors moi, ce que j'appelle, c'est le bruit des pantoufles qui est extrêmement puissant en fait dans son silence. Dans sa passivité, et c'est ce qui fait que c'est toujours extrêmement difficile de bouger un gouvernement et de le faire tomber, même quand c'est nécessaire, comme ce serait nécessaire actuellement.
Donc la bataille, la fameuse bataille culturelle, quand on dit bataille culturelle, c'est vraiment la bataille des idées. Par rapport aux idées néolibérales, il y a quand même suffisamment de personnes qui ont pensé autrement notre société. Comme on en parlait tout à l'heure, il y a Todd, il y a Rancière, il y a Friot, il y a Bégoyot, au plus proche de nous. Alors même si c'est sur un point un peu plus différent, mais quand même un Juan Branco. Là, je parle vraiment au plus proche de nous, hein, dans le contemporain. Il y en a beaucoup plus en amont, ne serait-ce Marx en premier. Ça, c'est extrêmement important, toujours savoir et bien connaître son histoire. Parce qu'à chaque fois, on dit « Ah, mais on ne savait pas ». Si, si, on sait en fait. C'est juste qu'on n'a pas envie d'aller le voir par fainéantise, parce qu'on ne nous montre pas le temps, les gens parce qu'on ne le montre pas du doigt, parce que les chiens de garde, comme on le disait tout à l'heure, font extrêmement bien leur travail néolibéral aussi. Et que les médias alternatifs, c'est toujours pareil, hein, tout le monde demande de l'argent parce que c'est extrêmement dur de vivre et de survivre. Donc la semaine prochaine, on repassera la vidéo justement de la France insoumise, aujourd'hui oui, à 14h. Pour bien voir à quoi ça ressemble. Ouais, parce que là, il y a des extraits quand même, il n'y a pas photo. Quoi, j'ai pas vu moi encore. Il y a des membres du gouvernement, il y a des journalistes qui prennent clairement position, et ça, c'est pas le boulot d'un journaliste. Oui, mais ça c'est bien Acrimed. Je vous conseille Acrimed, ils y font des bonnes analyses. Encore en ce moment, pendant le confinement, ils font des super analyses. Et Télérama a passé un article, alors c'est toujours un petit article, d'ailleurs j'oublie toujours son nom, de ce journaliste de Télérama qui décrypte toujours une ou deux émissions. Et là, c'est par rapport à David De la Housse. Je l'ai vu passer, mais je ne l'ai pas lu. Voilà, très très intéressant cet article qui tourne un peu sur Facebook et qui doit être sur le site encore, normalement, je pense, encore lisible par tout le monde. Donc voilà, ça c'est la première partie parce que ça permet de pouvoir s'armer intellectuellement et politiquement et économiquement aussi à minima. Et surtout, faites attention à ce qui traîne sur Internet. Oui. Les fakes, il y en a pas mal. Moi j'en ai vu c'est toujours Nostradamus qui revient. Ah oui, ouais. Voilà, avec cette année jumelle, l'année jumelle. Faites attention parce qu'il y a des gens qui se marrent à diffuser tout et n'importe quoi, sachant que diffuser de fausses nouvelles aujourd'hui, c'est passible quand même d'une grosse amende et d'une possible... Oui, c'est pas forcément une bonne chose. Voilà. Non, c'est des limites à la liberté d'expression. Après, on sait très bien que... Disons que faire peur aux gens pour pas grand-chose... Oui, mais tu sais que ces lois-là, elles vont pouvoir s'appliquer à nous à un moment donné. Oui. Ils disent des trucs qui sont pas à raccord. Oui, mais enfin, ça s'applique un peu à tout le monde, sauf au gouvernement qui est le premier pourvoyeur de fake news. Sauf au discours dominant. Donc voilà, ça aussi, c'en est bien conscient. On va pouvoir reprendre justement un des propos de la porte-parole du gouvernement par rapport au président Macron sur le port du masque, puisque Attends, tu veux pas qu'on finisse de dérouler notre plan, Vincent? Non. S'il te plaît. Non. Si on a un plan en quatre étapes, c'est important. Bon, allez-y, allez. Bon, vas-y, alors, je continue. Donc, on rappelle quand même que Linda et Nicolas sont des gilets jaunes. Oui. Oui. Voilà, il faut bien le rappeler aussi. On te hijack ton antenne, là, pour faire passer le plan. Ah, mais le but de droit citoyen, c'est de redonner la parole aux citoyens. Oui, donc, on est là pour ça. Ouais. Merci, Vincent. Alors, avec plaisir. Une fois qu'on connaît bien ça, et je le martèle encore, c'est le plus important presque dans la stratégie, dans notre stratégie de lutte. C'est-à-dire, plus on est informé, correctement informé, toujours se méfier du complot aussi. Si on a passé la vidéo en premier, c'est pas pour rien, c'est parce que justement, elle n'est pas du complot. C'est de l'histoire, en fait, tout simplement. Ouais. Voilà. Le complot, c'est toujours récupéré à droite, à gauche. Le FN en fait ses joues gras, etc. On sait très, très bien ça. Toujours bien faire attention aux sources. Deuxième point, c'est suivre l'argent. Alors ça aussi, c'est toujours assez important et même extrêmement important de savoir qui a l'argent, où va l'argent. Alors là, par exemple... Qui a intérêt, en fait, suivre l'argent, ça veut dire ça. Qui gagne? Qui perd aussi. Ça, on sait un peu qui perd. Ouais. Non, mais à qui ça profite, en fait. À qui profite le crime. Ah oui, voilà, exactement. C'est ça que je cherchais. Donc, on voit très bien que le Covid-19, dans notre cas à nous, qui profite le crime, pour l'instant, ça profite encore, toujours, malgré tout, à l'oligarchie, parce que la loi de privatisation de la santé se fait toujours. On voit bien Nancy, 500 et quelques lits fermés. Rien ne s'arrête économiquement parlant. C'est-à-dire que la relance de l'économie aussi ne s'arrête pas. L'argent injecté par l'Europe, par les banques européennes, ce n'est pas pour que nous tous, petits travailleurs, nous en bénéficions. C'est uniquement pour que l'économie en haut en bénéficie. C'est-à-dire que les entreprises le tournent bien pour faire tourner l'économie. Ça aussi, bien en être conscient et ne pas se leurrer, ce n'est pas du tout pour lutter contre le chômage qui va bien évidemment augmenter, pour les minima sociaux, etc. On peut refaire de la pub pour Pierre, d'ailleurs. Moi, je n'ai pas encore vu ses vidéos sur Décoder l'écho, mais j'ai l'intuition qu'elles sont bien. Ouais, moi aussi. Et je pense qu'on le réinvitera. Et puis, il sait de quoi il parle, c'est ça l'avantage. Il a l'air,
Donc voilà, ensuite, comme nous, on est confinés, sortir dans la rue ne sera pas pour tout de suite. Mais il n'empêche que le fameux projet audacieux... On a le temps de le construire, du coup. Voilà, on a le temps. Et surtout, depuis un an et demi, les Gilets jaunes l'ont construit. C'est-à-dire que Gilets jaunes, on dit souvent, mais qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils disent, on ne sait jamais de ce qu'ils revendiquent. Alors, merci encore une fois les chiens de garde hein, de ne jamais avoir clairement dit les revendications. Pourtant, ça fait un moment qu'elles sont claires, hein, ça fait depuis... bien plus d'un an, parce que je pense qu'au bout de 3 mois, on avait bien dépassé depuis longtemps juste le truc de l'essence, enfin du prix de l'essence, et qui est que passer d'une démocratie représentative à une démocratie directe, eh ben oui, c'est possible, et on peut le faire en mettant en place un RIC, c'est-à-dire le référendum d'initiative citoyenne, c'est-à-dire redonner la parole aux citoyens. Tu as un exemple un peu de la Suisse, mais qu'on peut bien mieux ajuster. Il faudrait largement améliorer. Ah oui, on peut réécrire exactement. La Constitution. Il y a aussi et beaucoup aussi de... un changement constitutionnel. C'est-à-dire, quand bien même parmi Gilets jaunes, il y a quand même beaucoup qui restent attachés à la République. Alors, République, oui, non. Bon, c'est des débats philosophiques. Moi, j'adore ces débats-là. Dira, mais voilà. Je pense que sur le fond, on est d'accord. Des fois, même si on n'utilise pas les mêmes mots. Que ce soit une 6e République ou une première démocratie, il n'empêche on n'a plus que 3 minutes, il faut vraiment bouger. Alors, c'est ça. C'est le RIC, c'est penser le municipalisme. Chut, doucement, on a 3 minutes. Et penser aussi le salaire à vie, comme l'a débattu parce qu'on l'a, Bernard Friot. On va faire une émission là sur le prochain. On fera une émission spéciale. Ne pas confondre le salaire à vie et le revenu universel. Exactement. C'est un point super important. Et ça, c'est un projet. Il est audacieux. Et là, pour le coup, c'est vraiment le terme de Naomi Klein. Mais je pense que le terme audacieux, il prend toute son ampleur. Il est plus audacieux que Naomi Klein, qui est quand même passablement. Et ensuite, donc, par rapport à ça, c'est une fois le confinement fini, et dès que l'on peut, c'est sortir en masse. Mais quand je dis en masse, il faut vraiment que ça infuse dans toutes les têtes, même les têtes les plus feignantes, les plus molles, les moins envie de se bouger, mais il va vraiment falloir se... Il faut qu'on se synchronise, parce qu'il y a un risque, pour moi, il me semble qu'il y a un risque, bouger. Si on sort qu'à 100 000 ou 200 000 ou 300 000 gilets jaunes, on va se prendre une répression on n'a jamais vu. Non, il faut qu'on arrive à se synchroniser collectivement pour sortir vraiment à des millions dès le départ, parce que sinon, ça va taper fort. En fait, il faudrait le même pourcentage que lorsque les Hongkongais sont sortis. Voilà, alors Hong Kong, combien, enfin, combien la de pourcent hein. Ah bah c'était, à un moment donné, ils étaient un tiers. Un tiers de la population était dehors au plus fort. Sinon, un quart, on va dire. Mais moyenne, c'était 1 million de personnes dehors pour 7 millions de la population. C'est 7 bon millions d'habitants. Donc, On a fini le plan au pas de course. Voilà. Bon. Mais c'est juste, c'était juste pour finir, c'est donner un côté plus... Alors, ce que disait Pierre, mais on en est tout à fait d'accord avec Nico. Disons que nous, on a légèrement plus de rêves, peut-être d'utopie. Et voilà. Le pessimisme de la raison, l'optimisme de la volonté. Oui, mais exactement. Ça, c'est ce qu'on avait senti au début des Gilets jaunes. Ouais. Bon, c'est ce qu'on avait ressenti, en tout cas. Merci, Nicolas. Merci, Linda, de nous avoir accompagnés pour ce soir. Merci à Pierre. Également d'avoir commenté la vidéo qu'on a passée tout à l'heure. On mettra les liens, bien entendu, dès demain, parce que ce soir, ça va être un peu fatigué. Merci à vous tous de nous avoir suivis sur Facebook Live et la web radio. Sachez qu'on s'excuse notamment pour le problème de caméra, parce qu'il n'y a personne derrière la caméra. On fait un petit coucou qui aime bien être derrière la caméra, mais qui n'est pas là ce soir. Merci à vous tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de partager cette vidéo, bien entendu, de vous abonner à la chaîne YouTube également, parce qu'on l'oublie, mais là, on est en train de mettre en place pas mal de choses sur YouTube également. Et puis, notre page Facebook, droitscitoyen.info. La Web Radio, téléchargez l'application mobile radio.fr et Orange Radio. Vous recherchez Droits Citoyens en un seul mot. Merci à tout le monde de nous avoir suivis ce soir. Oui. Et puis, on a parlé d'argent. Oui. Et vous pouvez donner les sous à Droits Citoyens. Voilà. On ne l'a toujours pas préparé, mais j'y pense. Même un euro. On en a parlé. Voilà. Sachez que Droits Citoyens, c'est une association. On ne demande pas de subvention justement pour garder notre indépendance. Et ça, c'est très important. Quand on veut être un média, nous, on ne propose pas de publicité pour justement garder notre indépendance. Merci. On fait une petite pensée quand même aux soignants. Ouais. Parce que moi, je sais aussi, comme je dis toujours, de quoi je parle. Ayant travaillé pendant 15 mois aux urgences du CHU de Saint-Étienne, donc à tous mes collègues qui me suivent sur Facebook, mais qui peuvent ne pas ne commenter, parce que bien entendu, on fait attention à ce qu'on dit, parce que c'est très difficile, notamment quand on est contractuel de la fonction hospitalière, c'est très facile de se faire... Bah, c'est arrivé, hein, tu sais. Ouais. Oui, je sais, justement, dans le nord de la France, et c'est très difficile pour ces gens qui s'impliquent au quotidien, qu'ils ont la précarité derrière eux. Et ça, on reviendra la semaine prochaine par rapport justement au fait que dans la fonction hospitalière, aujourd'hui, il y a beaucoup de contractuels et on l'oublie. Ce ne sont pas que des fonctionnaires parce qu'il y en a de moins en moins. Il reste un tiers, je crois, de fonctionnaires. Merci à vous tous. Oui. Bonsoir. Très bonne soirée. Et à très bientôt. Merci en tout cas. Au revoir. Au revoir. Merci.
Il faut changer cette société. Il y a 9 millions de personnes en France qui souffrent. Je dis bien 9 millions de personnes qui souffrent. Droit citoyen, c'est de l'information libre et citoyenne. En vous sollicitant pour recueillir votre ressenti sur une actualité qui vous ressemble. Retrouvez toutes nos actus sur notre page Facebook droitcitoyen.info ou sur www.droitcitoyen.fr.